Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Joseph. Bonsoir les leurs cœurs. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Pas trop chaud, tout ça. Hein. Coucou Eda. Re-coucou Eda. Je suis en train de digérer, hein, comme d'habitude. Après, je voudrais bien manger plus tôt, mais bon, compliqué. Et du coup, ce soir, le programme, on va alors découvrir ou redécouvrir pour ceux qui les ont déjà fait, mais il n'y a pas de souci. On va faire les raids, les nouveaux raids à 8. Alors, je les ai fait une fois hier, mais j'ai pas eu tous mes rôles. Et de toute façon, je connais pas les Mika par cœur. Donc voilà, donc c'est on n'est pas pressé, on prend notre temps puisque certains ont juste l'accès au premier raid. Donc on les laisse profiter des cinématiques entre chaque raid, sachant qu'en soi elles sont pas très très longues. Hein. Et coucou Alta, comment vas-tu? Et si jamais je crois qu'on a deux places de dispo. Oui, pardon, je répondais à un message. Du coup, oui, je crois qu'on a deux places de libre. On a une place de tank de libre et une place de healer de libre. Donc, si jamais vous voulez nous rejoindre, à savoir que ce soir, on est sur Pixie. On est sur Shadow Pixie. Puisque nous avons un ami de Light qui souhaite nous accompagner. Mais bah, comme vous savez, il y a une restriction en fait entre Chaos et Light. Donc du coup on est sur Shadow Pixie si vous voulez nous rejoindre, il y a deux places. Et au pire des cas, je peux changer de job aussi, hein. Je peux m'arranger. Voilà. Donc le programme de ce soir, c'est les raids. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler les raids, bah, ça m'embête de vous dire ça, hein, mais voilà, n'hésitez pas. Soit vous pouvez garder l'onglet mute dans un coin et faire autre chose. Ça fait quand même du soutien, mais au moins vous verrez pas ce qui se passe, vous entendrez pas ce qui se passe. Mais voilà, si vous préférez ne pas vous faire spoiler, n'hésitez pas à couper le son de l'onglet et peut-être aller sur autre chose. Voilà, je comprendrai, c'est normal. D'ailleurs, oui, j'ai bien écrit dans le titre, hein, découverte des Red Dawn Trail. Donc si jamais on crie, oh, spoil les raids et tout, bah oui, mais c'est écrit dans le titre quand même. Donc, ça devrait aller normalement. Et du coup, il y a toujours les drops pour ceux qui n'ont pas encore leur drop FF14, hein, n'hésitez pas. C'est jusqu'au 29 juillet, si je dis pas de bêtises, donc il y a encore un peu de temps. Voilà. J'ai qui à groupir encore? Est-ce que les gens sont déjà? Je sais que Sadako a dit qu'il aura un petit peu de retard, mais normalement, il devrait pas tarder. L'eau, je crois, était en instance. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce que je peux voir la link shell? Ah, aussi, j'ai un nouveau fond de Just Chatting, vous avez vu? C'est joli, hein? Il est beau. Je l'ai acheté sur Boosh. J'ai profité que le taux de change entre les yens et les euros est très bon. Pour acheter. Coucou Yoshi! Regarde Yoshi! T'as vu le nouveau fond de Just Chatting? Je l'ai trouvé sur Boosh. C'est un des artistes que je t'ai envoyé tout à l'heure. Et il est trop joli, je trouve. Et oui, normalement, en tout cas, dans la description, il n'y a pas du tout. Enfin, j'espère. En fait, c'est compliqué parce que il y en a qui ne précisent pas. Tu vois, quand ils utilisent des IA. Donc, normalement, la VTubeuse qui a fait la liste, elle a vérifié déjà de son côté si c'était de l'IA ou pas. Et normalement, c'est censé être que des artistes qui n'utilisent pas l'IA. Mais oui, voilà, le problème, c'est que c'est pas impossible que certaines que qu'ils le disent pas, en fait. Mais à première vue, ça n'a pas l'air d'être de l'IA. Je sais pas ce que tu en penses.
Surtout que c'était pas gratuit, hein, du coup, je l'ai payé quand même, hein. Donc j'avoue que si je découvre que c'est de l'IA, ça me fait un peu chier. Mais la personne, elle fait plein d'autres assets et tout, et ça, voilà, à première vue, ça a vraiment pas l'air d'être de l'IA, donc je croise les doigts pour que ce soit le cas. Ah, ça veut pas le faire tout seul, hein. Du coup, c'est cassé. Je vais peut-être attendre, je vais peut-être refresh un peu. C'est vrai que j'ai pas fait le déco-reco. Ça va sinon, tu as pu te reposer un petit peu? Bah oui, c'est ça en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a l'IA payante aussi. Mais j'ai pas vu, même moi dans la description, j'ai pas vu mention de quoi que ce soit. Et vu que oui, en plus c'est la VTubeuse qui a... Enfin, elle les a conseillés. Hein. Normalement, c'est censé être des artistes qui font ça depuis pas mal de temps. Donc j'espère. Oui, je sais qu'ils le diront pas. J'espère. Je, à première vue, j'ai pas l'impression que ça en soit. Mais bon, c'est ça. Et si tellement, attends, c'est tellement évolué maintenant que je doute de. Bah pareil, en fait, c'est j'ai le même souci en fait. Après, vu que c'est animé, tu vois, je sais pas. Les animations, elles ont l'air correctes aussi, donc en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que j'ai pas envie de douter des artistes, mais en même temps. Maintenant, c'est tellement dur de faire la différence, bah ouais. Donc on verra bien. Bon, je vais rejoindre tout le monde en vocal. Du coup, on est sur le vocal des amis, si jamais. Si vous posez la question. Sadako va pas tarder. Et normalement, du coup, on attend Fly, on attend donc Sadako qui va arriver, et Nounou, je pense, devrait pas tarder. Voilà. Hop. Coucou. Du coup, je suis en stream. Je voulais juste vérifier si c'était OK. À l'heure, vous pouvez entendre Ah. trois mots. Ah, Syllabes, tu entends peut-être. chez Eda? Ouais, mais très très peu, donc c'est bon, c'est pas la fin du monde non plus. Par contre, j'aimerais dire que le fond, il était très joli. Mais oui, j'ai vraiment, c'est ce que je disais avec Yoshi. Par contre, vraiment, j'espère vraiment que c'est pas de l'IA. À première vue, j'ai quand même regardé, essayé de regarder un petit peu dans le détail pour être sûr, mais ça n'a pas l'air. Mais maintenant, c'est triste parce que, ouais, en fait, on se retrouve obligé de douter un peu des artistes, même alors. Enfin, c'est dommage d'en arriver là, en fait. Moi, ouais, j'ai pas envie de douter des Ouais. artistes, en fait, mais. Coucou, Tipaton! Comment vas-tu depuis le temps? Ça va, tranquille, un peu fatiguée comme d'hab, malgré une petite sieste tout à l'heure. Si jamais en attendant on peut faire une roulette experte, en attendant. Bah après, je sais pas parce que Sadako normalement il arrive. Je pense juste le temps de lancer le jeu et de transférer. Et Nounou va pas tarder non plus. Et Fly, bah Fly, je sais pas par contre qu'elle a pas répondu. Je sais pas si c'est parce qu'elle travaille le soir, le temps qu'elle rentre et qu'elle mange et tout. Elle n'est pas connectée, donc elle est peut-être pas encore rentrée. Je l'avais vu connecté tout à l'heure, Lui non? demander. Non, j'ai dû planer. Peut-être qu'elle a oublié que c'était ce soir, je sais pas. Ouais, Nounou, normalement, je lui ai mis un message. Mais il était pas en vocal. Ouais, sérieux. En gros, j'ai mis un message dans le salon de la sortie. J'ai mis un message en MP dans le jeu. Et j'ai mis un message en MP Discord. Comme disaient nos anciens présidents, les emmerdes, c'est comme les avions, ça vole toujours en escadrille. Ah. Courage, tout ce que je peux dire. Malheureusement. Moi, ça va, juste j'ai plein d'examens médicaux à faire. Faut que je prenne rendez-vous. En même temps, c'est chiant parce que j'aimerais bien pouvoir tout faire dans la même journée, mais c'est presque impossible à faire ça maintenant. Donc, et le problème, c'est qu'en plus, vu qu'à partir du 20, on peut plus prendre de passe à la journée pour se déplacer dans Paris, et que va y avoir les Jeux Olympiques, donc si je dois me déplacer pour faire mes examens, ça va me coûter une blinde. J'ai pas forcément envie que ça me coûte une blinde. Déjà que de base, les examens, ça coûte une blinde. Oui, voilà, donc ouais, c'est un peu chiant.
Faut que je regarde, mais. Parce qu'il y a clairement, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Je suis obligée de prendre le RER, de toute façon, pour aller faire mes. Même pour aller chez le médecin, maintenant, je suis obligée de prendre le RER. Justement, ma fiancée revient d'une prise de sang. Elle m'a dit qu'elle se demandait s'il lui avait laissé au moins 1 litre. Ah oui! Ouais, il a pris Ouais, comment ils ont plusieurs pompé? fioles et tout, là, c'est ça? Ouais, Ouais, non, je dois malheureusement. quand même... Ouais, non, je dois quand même avouer que surtout dans les hôpitaux, ils te pompent le sang. Ah bah ouais, Quand mais ce qu'ils ont en général, enfin, suivant les examens qu'ils veulent faire, ils ont besoin de. Ouais, ils ont besoin de pas mal Comment de ça? quantité, quoi. Je peux pas Ouais, aller non plus mais. haut. Ouais, non, mais des fois, ça reste abusé la quantité de sang qui te prennent d'un coup, quoi. Mais ils te prendront jamais assez pour. Ils vont pas te prendre une quantité qui pourrait te faire. Enfin, genre tomber dans les vapes normalement. Après, moi, ce Ouais. que je fais par précaution, Surtout c'est ça. quand je vais faire une prise de sang. Surtout que souvent, faut être à jeun. Bah, je prends un petit paquet de gâteaux avec moi et je le mange dès que je sors, histoire de au moins avoir un petit peu de sucre tout de suite, quoi. Ouais. Ça, c'est la meilleure chose à Donc, faire. Non mais ouais. non mais le pire, et ça c'est en toute connaissance de cause. Quand on m'avait diagnostiqué diabète, hein, ouais, Ah ouais, je... c'est compliqué. Et ben, Ouais, comment dire qu'il me prélevait tellement de sang par jour qu'au bout d'un moment, j'ai fini par dormir quasiment toute la journée. il Tellement te faisait pas que... de perf à côté Ah non, 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 pour non, je... t'aider Bah, en fait, si, j'avais une perf, mais c'est une perf d'insuline. Parce que quand on Ouais. m'avait diagnostiqué mon diabète, j'étais à 5 Après, grammes. J'étais quand même à plus de 5 grammes. peut-être que ouais, tant qu'ils Donc... n'avaient pas les résultats, ils pouvaient peut-être pas te faire de perf. Enfin, ils pouvaient peut-être pas te donner n'importe quel entre guillemets supplément. Donc, elle faisait des analyses pour ses hormones, cholestérol, globules blancs, Ouais, bah oui, c'est ouais. Je sais, j'en ai fait une il y a pas très longtemps. J'en ai fait une il y a pas très longtemps et pareil, elle m'a pris plein de fioles là. J'étais en mode ah, vous avez pas fini encore là. Vous m'en laissez un peu quand même. Je crois qu'en général, le maximum, c'est 4 ou 5 fioles. Ouais. Mais on se rend pas compte quand même, ça fait beaucoup, hein, mine de rien. Oui. Parce que bon, t'es là quand même, t'as l'impression qu'il y a un quart d'heure qui passe, quoi, quand te le pompe ton sang. C'est Alors que ça. souvent, c'est pas aussi longtemps, hein, Moi, c'est long parce mais que t'en mes se veines, elles rallonges. sont reloues. Et déjà, ils ont du mal à les choper de base. Ah, toi aussi, Mali, Et je suis pareil. Oh, quand ils abus. t'arrivent, la dernière fois, justement, ils ont réussi à la choper, mais genre, ça voulait pas sortir beaucoup, quoi. Du coup, Oh elle là était là. super lente à se remplir la fiole. J'étais en mode, c'est quand que c'est fini, s'il vous plaît. Voilà. Tu sais, j'essayais vraiment genre de serrer le poing et tout pour essayer de. Rien à faire. Prenez son Ah temps. Ah ouais, bah GG non, pour le VIP, là. Ah merci. Ouais, non, franchement, c'est juste ignoble. Franchement, c'est ignoble. Il y a du monde, mine de rien, sur Pixie. Enfin, en tout cas, il y a du monde dans les villes. Surtout qu'en plus que moi, bah comme pas mal de monde, je suis hyper craintif de la piqûre. Là, c'est un truc où c'est. Alors. Je le reconnais, j'en suis pas fier, mais je crains énormément la piqûre. Mais Ah non, oui, mais mais je t'as pas comprends besoin d'avoir aussi, honte hein. non plus, hein. Non, c'est Y vrai, il a y a pas de plein de mal, hein. gens qui ont peur, hein. Je Ah non, te mais. conseille de forcer le son de la musique. Ouais, non, mais ce que. Comment La, ça? là où je veux en venir, là où je veux en venir, c'est que le pire, Ah, on n'entend pas assez? c'est que quand j'étais encore. Enfin, quand j'étais encore à Ah, l'hôpital, ça leur oui. arrivait des fois aux médecins dès le matin de me planter l'aiguille dans ma veine pendant que je dormais. Eh bien, Ah ouais, non, par contre, là, c'est un petit peu compliqué. coucou Hein. Sadako. Coucou Satagou. Pardon, Donc, je ouais. suis passée à côté d'un rang S, je crois. C'est pour ça que T'as j'étais genre eu peur pour ta peau? un Jamais je fais petit bien de peu, chier quoi. sa mère. Donc, comment dire Mais j'ai le ce butin. genre de réveil brutal, c'est. Qu'est-ce qu'un? Ah bah tiens. J'avais envie de Oh fracasser merde. l'infirmière. C'est Ah, c'est pas de compréhensible. leur faute après, mais. Oui, non, mais quand même, quoi. Bah oui, La mais bon. moindre des choses, Le réveillé, consentement, quoi. c'est important. Oui, non, Voilà, mais c'est alors, tout. oui, c'est vrai que oui, d'une certaine Surtout, façon, ça pour au moins. s'appelle Mais faire pour au une moins. aiguille, je précise. Hein? De quoi? Rien, rien, laisse tomber. D'accord, ok. J'ai cru comprendre quelque chose d'acerbe. Ouais, non, Je mais suis t'as tout le très bien temps compris, blessée. Dans t'étais. le déménagement, il est plus rare de finir en bon état que complètement défoncée. Oh, un petit Ah chien. là là. Le potiche, le petit chat qui court dans la cuisine, le potiche. Eh ben, Mali, pourquoi t'as un petit
J'ai pas rapetissé, j'ai toujours été petite. Toi qui as grandi. Tu veux te battre? Non. Tu me toucheras pas. Je suis trop petite, Ah tu ouais? pourras pas me toucher. Ah ouais? Elle peut juste Ouais. baisser les genoux et toi tu pars 3 km C'est au-dessus. ça. Maintenant. Hello. C'est ça. Coucou nounou. Re-coucou Je nounou suis plutôt. pas en avance, on m'attrape pour manger. T'inquiète, t'inquiète, Sadako vient d'arriver et on attend Fly, C'est le mais Fly, je dernier suis en train avec de me la demander commande des rois, donc je suis content. si elle a pas eu un empêchement ou quoi, parce qu'elle est pas Mmh, connectée, ça elle sent bon. répond pas. Qui manque, tu dis? Fly. Ah. On a deux places, hein. De toute façon, on a une place de heal et une place de tank, si jamais. Il n'y a pas Yuki? Qui ça? Il n'y avait pas Yuki d'inscrit, de base? Non, Non, parce qu'elle était elle pas s'est en forme. désinscrite au final. Ouais. Ok. Voilà. Bah écoute, Bah, ton je pote, là, pourrais. Bah, si jamais moi, il veut venir. bah ouais, on peut. Bah, attends, je vais rajouter un Discord. Oh, ça fait du bien de bouffer. Alors, faut aller Ah, le sur bon miam miam! Pixie. Ouais, le bon Oui, sur miam-miam après Pixie, l'avoir oui. été au perdu dans le sagesse, c'est sûr. Ah, Oh, bah il va jouer Viper, il va être content. la petite soupe! Oh. Ah non, c'est bon, c'était vendredi. Maintenant, je peux bouffer comme un porc. Ah, GG! Ah Mais putain, ouais, demain, d'un coup en local. Hein. J'ai pour... cherché. Faut que je me lève à 8h, Mali. Ah bah moi je dois me lever avant 8h parce que je vais emmener Rina à 8h30 chez le veto. Je me lève à Oh là là, je dois me 8h lever. pour Voilà. vidanger le grenier, charger la remorque, la déchetterie, tout ce qu'on va acheter, faire des cartons. Bah, il y en a Faut des que j'aille choses. faire Hein. les courses. J'envoie un SMS à Fly pour demander. Ramus. Ah merde, je peux pas voyager parce que je suis pas dans mon monde d'origine. Oui. Faut rentrer à la maison. Chier, faut repasser par Cerberus de Moogle pour aller là-bas. Ouais, tripaton pour les... Tripaton, pardon, excuse-moi. Tipaton. Moi, pour les déménagements, que ce soit même juste pour monter des meubles et tout, en général, je mets des gants. Parce que un petit bout de bois ou de machin et tout qui se fout dans le doigt, juste ça, déjà, ça fait tellement mal. Donc maintenant, à force, je préfère mettre des gants, des espèces de gants, là. Un Malik, peu il y a des une gants de marque qui vend à jardinage, 2000 euros mais... un smart. Ouais, des petits gants, là, juste tressés un peu, là. De manutention. Un petit Coucou scrou. Driados, il a 3 pieds. Un Oui, ça scrou. va, oh, je me suis trompée. J'ai mis un R, il n'y en avait pas. Driados, tu veux venir? On a de la place si jamais. J'espère juste que ça va aller pour Fly, parce qu'elle, ouais, n'est pas connectée du tout. Moi, je vais Avant que profiter j'engloutisse pour aller tout comme un chercher porc, il mes faudrait que je petits prenne une combos photo et pour voir en commencer jaune. à faire mes petits crafts pour Voilà. les assignats violets. Youhou, bonne chance. Alors. Pour Eda, c'est pas bonne chance, bon amusement. Bah Ouais, j'ai non, trop mais. plein d'examens à faire, moi. Non, Chiant. mais je tiens le bon bout, je tiens le bon bout. Je suis presque Parfois, faut que le overmail de niveau biduli prog. 19. Alors, si jamais Driados, on est sur Pixie. On est sur Pixie. Les gants, ça gêne trop dans la longueur d'une journée. Tu perds trop de temps et tu fais. Défracté parce que tu avances pas, exemple, quand tu emballes avec du film plastique avec les Il manque gants plus tard. infaisables. Oui, bah oui, forcément, pour ce genre de truc, c'est pas pratique, mais après, sinon, faut essayer de faire étape par étape. Enfin, genre, tu fais tous les trucs lourds, à tous les trucs potentiellement qui peuvent blesser, tu mets les gants, et dès que tu fais les trucs un petit peu plus minutieux, bah tu les enlèves. Après, en vrai, ça prend 2 secondes à mettre les gants. Hein. Ça va. C'est sur Après, il y a des Shadow, gens qui ne les Driados. enlèvent pas. C'est sur Shadow. Oui. Après, Pardon, chacun il y a fait des comme gens il veut, qui mais n'en c'est mettent vrai que... pas aussi. Oui, Voilà. voilà. Après, tu fais comme tu veux, mais c'est vrai que bah, si en plus t'as tendance à te faire mal, enfin, te blesser souvent, bah... Faire attention, quoi. Moi, j'avoue que les coupures de papier ou de carton sur les doigts, ça fait tellement mal, j'ai vraiment... Non, merci. J'ai pris trop d'habitude par rapport à ça. De Donc je couper fais que ça, convention de collective du couper tout le temps déménagement avec oblige à les faire papiers, les cartons et 17 autres. mètres carrés en 1 heure, donc Je tu n'as pas le travaille temps en de... magasin, du coup, ben, je fais ça tout le temps, en fait. What? Mais oui, mais enfin, en fait, c'est pas normal. T'es censé pouvoir... Enfin, comment dire? T'es censé pouvoir travailler en sécurité, donc ça inclut... Enfin, Je vais pas travailler avec des gens en caisse, Mali. Non, mais si t'as pas le temps... Si t'as pas le temps en fait de travailler en sécurité, c'est pas normal.
Alors, je sais très bien qu'il y en a qui s'en foutent, hein. Justement, je sais que c'est un problème, mais si du coup, à côté de ça implique des blessures et tout ça, c'est pas normal, quoi. Ça implique des coupures, ce que j'ai l'habitude avec les trois débiles que j'ai chez moi. Un J'ai qui a des nouveaux misclick rhinos mon aujourd'hui pour ses Travel. premiers vaccins. C'est comme la Oh! marche course. Attends, la marche course à l'armée, ça s'appelle marche course, sauf que tu ne peux pas marcher parce que c'est mort pour finir dans le temps. Oui, bah oui, mais après, bon, ça c'est l'armée. Voilà. Mais c'est pareil, il y a un truc que. Enfin, je comprends pourquoi ils font ça. D'accord? Je comprends. Mais légalement parlant, c'est pas normal. Les livreurs qui ne sont pas équipés d'un diable pour les gros colis. Je suis désolée, mais ils sont censés en avoir un. Quand ils ont des gros colis à livrer, ils doivent en avoir un. Ils sont censés en avoir un. Ils sont pas censés devoir porter un gros carton. Enfin, et du coup, le problème, en fait, c'est que ça se répercute sur les clients parce que bah, il y en a, ils peuvent pas, parce ou alors c'est trop lourd. Genre ma livraison de chaises, bah, on n'est pas censé avoir à descendre au rez-de-chaussée. Et nous, aller chercher le colis, parce que bah, nous non plus, on peut peut-être pas le porter, le carton. C'est pas pour rien qu'on demande une livraison à domicile. Parce que normalement, je dis bien normalement, ils sont censés avoir le matériel. En plus, on a un ascenseur, ils sont censés avoir matériel pour nous emmener le colis. Mais les trois quarts, ils en sont pas équipés. Donc, soit parce qu'ils l'ont pas pris, soit parce qu'on leur fournit pas. Et du coup, bah, c'est un problème. Enfin, c'est... Je sais pas, c'est la base quand tu portes des objets lourds. T'es censé avoir un minimum de matériel, un minimum de sécurité. Oui, mais c'est trop cher, gna. Bah ouais, mais la santé, c'est cher aussi après. Ça crafte bien. Et pas, ça fait tout seul. Moi, bon, après, je vais peut-être pouvoir crafter mon stuff récolteur. C'est artisan qui travaille. En même temps, personne n'a jamais trouvé les enfers, donc bon. Attends, quoi? J'ai pas compris. De quoi tu parles? J'ai pas suivi du tout là. 2 euros, je te trouve une jambe. Quoi? Ah, c'est parce qu'il parle du. Parce que c'est le diable le nom de l'outil, je pense. Ah, Ils essayent mais de faire un jeu de mots. Triatos! Mais mon cerveau, tu sais bien que mon cerveau, il suit Waouh. pas, moi. On a le La blague est matériel, mais partie comme les tellement loin que j'ai nageurs ont un perdu. statut spécifique, c'est une convention collective qui statue sur les règles. Et les règles, c'est 17 mètres cubes par heure et par personne. Oui, C'est bon, ouf, ok. mais c'est comme ça. De toute manière, je finis en août J'arrive et je par tes remplis pas autres. pour un contrat. Ok, D'accord. ouais, bah tant mieux, parce que franchement, c'est clairement abusé. En fait, surtout, j'ai l'impression que dans ce genre de cas, ils se rendent même pas compte de la quantité de travail que c'est, en fait. Ils mettent des règles, mais ils se rendent pas compte à quel point c'est difficile de respecter ça. Coucou, Ryu! Mais je Sadako, râle pas, j'espère que Ryu! tu aimes les coups de marteau que Mira te met. Je parle, je discute! What the fuck? Oh là là, super. Je râle pas n'importe quoi. Ah oui, il faut que je lui donne les, faut que je donne les rôles. Ah, t'es bon. C'est bon, il peut venir normalement. Oui, parce que le problème, c'est que les rôles ici, c'est manuel, vu que c'est. Je veux dire, c'est à la main parce qu'on va me faire une blague avec c'est qui manuel, gna. Il y a une Pour petite Touguèche. guerre Hein? ou c'est comment Une hein? Pour Non, je vous groupe. Bah après, nous on est à Gridania, mais non, je vous groupe dans la liste d'amis et tout. Je ne râle pas, Ryu, on est en train de parler que par exemple, c'est pas normal en fait que les conventions collectives, en l'occurrence pour le déménagement là, elles imposent des règles à respecter, sauf que bah, au niveau de la sécurité des personnes, bah c'est pas faisable. Enfin, au niveau des conditions de travail et tout, quoi. Et je donnais l'exemple des livreurs qui ne sont pas équipés pour livrer des colis lourds. La Oh bonne blague, c'est que non. le grand patron est un ancien déménageur, lui aussi, je veux le voir faire son 17 mètres. Mais c'est ça, en fait, c'est que genre, avant d'imposer des règles, ils devraient juste tester si c'est faisable ou pas. Pourquoi ils font pas ça? Ah, je suis quasiment sûre qu'ils le font pas, hein, de toute façon. L'argent. Ouais, bah ouais, l'argent, quoi. C'est la seule explication. Et pas besoin de Du faire coup, des plus longs, hein. j'ai donné les droits pour que monsieur il nous rejoigne, le monsieur de ton ami Nounou, là. Il est où? Il arrive, il arrive. Il Oui, arrive. Ok. je suis là. Et bah, Il a j'ai bien. entendu.
pour sauver. Il a entendu, mais il a entendu, j'ai entendu mémo. L'arrivée. Il a entendu mémo. J'ai bien fait de te mettre une petite grenouille, du coup. Je me suis fait le trapper mon quartz là, let's go. Tu es sur Shadow par contre. Ouais, oui, on ouais, est ouais. Sur Pixie, oui. Et bah j'ai pas de, je revérifie, mais j'ai pas de réponse de Fly, donc je pense qu'on va partir et puis bah au pire, je l'accompagnerai si elle a besoin plus tard. Alors... Il viendrait prendre ses mémos aussi. D'accord. On a Gridania si jamais. Donc je vais pas pousser trop tard ça. Donc... Oui bah moi non plus. Moi non plus hein, parce que voilà. 8h, 8h vidange du grenier demain matin. Mmh. Ah, bah après c'est moi qui ai donné l'heure. Hein. On m'a dit ouais on vide le grenier demain. J'ai fait ouais mais quand bon, je sais pas quand tu te lèves. Non 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 ils ont annoncé 35 degrés demain. Je vais pas le grenier l'après-midi. Tu m'étonnes. Ah, déjà moi il fait 35 degrés. Je glande dans mon lit toute la journée. Ça. Ouais non il fait encore 20, il fait encore 24 chez moi ce soir-là. On fait ça demain matin à la fraîche. Prends ma douche, je vais faire les courses, je rentre, je ferme les volets et je ne sors plus. Moi, j'ai pas choisi, moi. Moi, on m'a dit, ah bah, il y a une place à l'ouverture. Je fais, c'est quelle heure à l'ouverture? 8h30. D'accord. Ah. D'accord. Du coup, bah, je vais me lever, je vais attraper Rina, je vais la mettre dans le sac et puis, bah, go le vétérinaire, quoi. Oh là là. Elle va pas comprendre ce qui se passe, elle sera probablement en train de dormir. Un truc pour que j'ai vu, c'est sûr, si elle aussi elle veut dormir. C'est que le code du travail dit aucune convention collective ne peut être plus rude que le code du travail. Je regarde le code du travail en rapport avec le cubage des déménageurs. Rien. Bah super, ouais, donc en gros ils font ce qu'ils veulent quoi. Bah super. Rien. C'est bon, je suis en train. C'est bon, je suis quoi. Oh, magnifique. Where are you? Tu ressembles à quoi? Ah non mais attends, il faut que j'aille... Il faut que je me TP à Gridania déjà. Du coup, j'ai la veto qui s'est foutu de la gueule de mon chat parce qu'il a des grandes oreilles et une toute petite tête. C'est pas un chat, ton bidule, c'est un lapin. J'avoue, Yoshi, c'est... Enfin, déjà, 3 bubble tea, c'est cher. Parce ouais. Que du coup, c'est 3 bubble tea pour une récompense. Ouais, soit la monture, bah, génial. Soit un des 3 porte-clés. Genre, ils ont cru qu'on avait des bubble tea en bas de chez nous. Bon, bah voilà, je pense qu'on peut partir. Je vérifie juste une dernière fois qu'il n'y a pas de réponse de Fly. Apparemment, non. Du coup, on va partir. Oui, c'est ça, faut en acheter 3 et au bout de 3, t'as la récompense. Ça va. Ouais, super. Bon, je vais attendre que vous finissiez votre craft. Ok. Et voilà. Bubble tea, je suis désolée, j'ai testé avec ma femme, c'est full surcoté. Bah après, il y a des bons bubble tea et des mauvais bubble tea. Mais... et puis c'est au goût de chacun. Putain, avec quand même beaucoup de mauvais. Je lui ai dit, arrête-toi, il a dit non. Non. Mais oui, après, les bubble tea, ok, bah, c'est bon comme un bon jus de fruits, en fait. Enfin, ça vaut pas forcément le coup. Enfin, je vais pas me dire, oh tiens, aujourd'hui, j'ai envie de boire un bubble tea. Non. Il y a des gens comme ça. Bof. Voilà. Des gens bizarres. Des fois, je me dis, oh tiens, j'ai envie de boire un verre de jus d'ananas, quoi. Je vais dans mon frigo et je prends une jus d'ananas et voilà. Ouais. Mais c'est comme les chasseurs, il y a le bon et le mauvais chasseur. Alors, mon bon chasseur, il se lève le matin. Eh, regarde, Mali. Hein. Hop. T'es où ? Alors, il paraît que c'est 3 par outil. Et depuis que je me suis posé là. Et il ne manque pas quelqu'un. Voilà. Bah, en fait, il y a des gens qui viennent pas. Qui viennent même plus. Qu'on est 7 dans le vocal. Ah, il manque qui ? Et on est que 6 chez Moïse. C'est quoi ça? Mais Driatos, mais je t'ai envoyé une invitation pourtant. De quoi? Attends, oui, t'es groupé, mais c'est qui est pas groupé? Moi. Mais je t'ai envoyé une invitation aussi. Bah, je l'ai pas eu. Bah, si, tu l'as eu parce que je l'ai envoyé, mais. Non, non, je l'ai pas eu. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a un mentor dans le groupe où j'irais pas c'est qui. Mais... J'ai pas eu, j'étais en craft. Voilà, c'est bon. C'est vrai qu'on l'aurait vu. Je viens de recevoir une lettre de mon assurance. Ah.
C'est juste pour me dire que mes. Juste mes... ce qui est remboursé de mon opération. Pour les dents de sagesse. Moi, J'ai eu alors. tellement peur! Alors, en parlant de ça, moi j'ai reçu une facture de 20 euros et quelques à payer sur mon opération du mois de novembre. Donc je l'ai reçue genre ce Mais mois-ci, du coup, alors que je normalement paye j'ai tout que 100 payé. balles au lieu de 200, au lieu de 300. Ça? Bon bah je Attends, tag, ils hein. te Ouais, ça va. payent? On est Attends, 3 îles. ils vont m'envoyer un chèque Mais pour 3 îles. que Ah oui, c'est un je. peu beaucoup de îles. Un Je peu peux beaucoup. changer, hein. Non, mais Nounou, il peut DPS s'il veut. Enfin, après, toi, tu peux changer aussi. Faut Mais que Nounou, j'aille il va à réparer vite Stroh, fait, je faut qu'il crois. arrive. Où est-ce qu'il y a un réparateur ici? Il est à côté du marché. Tu peux te Parler TP de justement marché. marché, tu rentres et à gauche, tout au fond. C'était sur pour Je lequel DPS au Nounou, marché? tu DPS, Non, Zriados c'est bon, DPS. il y a Ok. Zoé, il a changé. Et ben je Ah, je l'ai tag fait alors. spammer. Voilà. J'ai tag. Ah, En vite! espérant qu'on prendra pas 3000 Alors je vous livres. invite à mettre la musique de façon à quand même Oui. bien entendre. Toutes les musiques sont goldées. Écoute, je te dis pas ce que je suis en train d'écouter à Gridania. Hein. La musique à Gridania, c'est Give It All. Hein. Genre... Condition de ne pas avoir d'allergie aux fruits de mer, sa défense. Ah, oui, bah ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien la crème fraîche, le lait et tout, sauf que je suis intolérante au lactose. Du coup, bah, quand je veux faire une raclette, bah. C'est pas le gros fun assuré, quoi. J'adore la raclette, quoi. Mais du coup, bon, bah. Voilà, quoi. Après, il y a des médicaments pour un petit peu Oui, oui. atténuer, si je me trompe pas. Ah Il paraît, oui. On me les a jamais oui. proposés, mais il paraît, oui. Après, c'est vrai C'est comme que on m'a si rien tu peux te proposé. permettre les frais. Non, mais c'est comme on m'a rien proposé pour mon arthrose cervicale, tu vois, genre. Et tu sais que pour les trucs d'intolérance au lactose, ils te les prescriront jamais parce que c'est pas remboursé, tu vas à la pharmacie, tu peux les acheter par toi-même. Ouais, mais ils pourraient moi me Voilà, les c'est ça. proposer. Genre me dire, bah Non, si jamais, il y a après, ça qui existe. ils te les proposent pas aussi, c'est que en fait, vu que c'est un truc qui crée ton organisme crée une accoutumance, et au final, si t'en prends trop souvent, ça n'a plus aucune efficacité. Donc c'est à toi de te réguler, de dire, bon, une fois de temps en temps, je vais faire une raclette, tu prends un cacheton avant de bouffer, dans Bah, 2-3 jours avant, je fais et pas des boum, boum. raclettes tous les jours, de toute façon, donc. Ah bon? Ah bon? Quelle infamie! Ah bon, pas de petites Lundi raclettes raclette, comme ça mardi pendant l'été. tartiflette, mercredi Welsh, genre. Quel Y a pas de date pour cette raclette? C'est tous les jours? Je dis une Quoi? petite pizza 4 fromages. Ah Nounou, il y a ton pseudo qui Un est petit bugué gâteau en là. plein milieu, Regarde genre. sur mon stream, il te fait la tectonique. Et ton pseudo là, il a fait une crise des Pepsi. Vous connaissez les crises des Pepsi? Les Pepsi, Oui, les oui. petits clics. L'épilepsie, il y a Je clignote. le Je fais Oui, un tu arbre de Noël. clignotes. Je fais un arbre. Hop. Ah, c'est beau. Oh, il a fou. Arrête le Mali. Bah, Il ils sont gagne pas de la d'efforts, les cochon. joueurs, là. Il manque un DPS et ça Oh. tag pas, quoi. En même Après, je temps, on est pense sur que un data center à la Ouais, mais quand con. même. Ouais, peut-être que ça serait plus pratique de faire en recherche d'équipe. Quoi, il y a Parce que les gens DPS? qui viennent. Mais Bah, non, il y a une personne, donc Non, il n'y a pas de c'est juste qu'on PF. n'a pas de chance. Mais Non, non, mais mais ça va venir. faut faire comme avant, faut faire comme sur ARR. C'est-à-dire, j'étais pas là à Génération. RR, moi. Ouais, moi je suis arrivée entre Endwalker et Shadowbringer. Oh, je suis là depuis Isle Reborn. Et qu'est-ce qui se passait justement? On veut savoir! Y a personne qui saura, c'est rien à foutre. Je faisais Oui, bien voilà! Mais des faut faire raclettes comme sous ça! 30 degrés. Oui, mais c'est. Bah, Tu fais il y a comme eu des ça! obus, et Tu fais puis. comme ça! Voilà comment Bam! tu fais! Voilà. Ah. C'est quoi ce Luxure sur 4? Hein, quoi? De quoi? Le. Luxe sur 4? Le chat gris? Ah, sur le jeu? Le mignon? Tu vois, c'est la phrase dans le Ah. chat, c'est l'ancêtre de l'APF. L'ancêtre de APF, il y a quelqu'un? L'ancêtre Ma de l'APF, mascotte? on partait chacun dans une capitale et on hurlait Need one last pour ça. Genre. Oh, bah, ça va très bien aussi. Hein. Ah, j'ai reçu un message de Flyonet. Ah! Ok. Attendez, je vais lui répondre, patate.
C'est pas grave. J'ai oublié qu'il y avait Red ce soir. Profite. Oui, elle est partie au cinéma. Ouais. Ah, oh, ah ouais, quand même. Quelle honte d'être boule, il sort que la semaine prochaine de toute façon. Non, mais elle a répondu, je suis profondément désolée, j'avais oublié. Dis-lui de ma part, t'es vraiment une patate. Mais je lui ai dit déjà, mais c'est, ça arrive, ça arrive. Coucou Acadia, coucou Mitsuki, comment allez-vous? Non mais Mali, dis-lui de ma part que je vais lui laisser un petit cadeau sur Discord. Oui, bah elle le verra quand elle rentrera. Je vais pas la spammer de SMS alors qu'elle est au cinéma. Non mais c'est juste un. Bah non, mais je viens déjà lui en envoyer un, donc... Oui, il reste une place si jamais de DPS pour les raids. On est sur Pixie. On est sur Pixie. La tête dans laquelle je me réveille, c'est une catastrophe au sommeil alors que je dois faire une course. Ils peuvent que tank, moi je peux changer à la limite. Oui, on est beaucoup à pouvoir changer de toute façon. Donc. Ouais. Ah bah non. Trop tard. Du coup, on se retire ou pas? Non. Non, non. Personne qui arrive? J'ai fait les... Bah, Acadia l'a déjà fait, donc... j'ai MFF, mais lui, je l'ai pas et il mérite. Il m'attire pas. Bah après, oui, c'est différent, c'est un MMO, donc si t'aimes pas les MMO, déjà... Il paraît qu'il y a la musique du 4 sur le 1, c'est... Je veux le MT ou je veux MT Du coup, on dit rien pour les mécaniques, hein, on est d'accord? Non. On vous laisse découvrir et tout, ou vous voulez peut-être quand même des petits calls ou quoi, pour ceux qui ont jamais fait? Non, je les laisse et... Je travaille à la dure, je les laisse faire, d'accord. Et je fais le nettoyage. De toute façon, à 2 minutes, je te vole la gros. Ah non, mais y'a pas de soucis, Tipaton, hein, chacun ses goûts, hein. Chacun ses goûts, hein, y'a pas de mal. Après l'opener, j'y mets l'instance en cas où tu crèves. Ah oui. Donc du coup, à 2 minutes, si jamais t'es pas mort, je te vole l'agro. Mais Mitsuki, j'ai dit que j'allais faire l'épopée en stream, mais pas tout de suite. Je ferai ça, genre au mois d'août, avec Marie-Roll. J'aurais peut-être dû laisser cinématique, en vrai. Le cinématique, ça me rappelle la musique d'un jeu Switch. Je me souviens plus du nom. Oui, Pokémon, le Persona. Dans le stade. Non, c'est un jeu de combat là, avec les. Oui. Les personnes, tu peux changer leurs points et tout. C'est le public de PES. Putain. C'est le public de PS2 derrière. Attends, je crois savoir de quel jeu tu parles, j'en suis pas sûr. Ça me rappelle trop une OST de ce jeu là, c'est trop grave. Genre ce passage là, la musique. En fait, Mitsuki, le truc, c'est que le début de l'épopée, c'est... On est vraiment en mode aventure et pas en mode apocalypse, il faut sauver le monde. Donc oui, c'est normal que ce soit, entre guillemets, lent. Il faut le prendre un petit peu comme vraiment le... C'est vraiment le début, en fait, d'un nouveau chapitre. Donc faut laisser le temps que ça se pose. Donc c'est normal. En fait, c'est vraiment... Là, on commence vraiment un nouveau truc. Mais par contre, faut faire toute l'extension pour voir. C'est bon. Après. Ça va au niveau du son, la musique est pas trop forte, pas assez forte. Si on t'entend parler, c'est pas assez fort. Non, alors pour le coup, Mitsuki, alors il y a très peu de blabla inutile. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait très peu de blabla inutile pour le coup. Sauf un perso qu'on ne dit pas le nom. Oui, non, bah ça. Mais en règle générale, il y a... Vers la fin, j'ai trouvé qu'il y avait une petite partie qui me paraissait un peu de trop, mais sinon, j'ai pas trouvé qu'il y avait de blabla inutile. T'as vraiment un vu là-dessus, hein? Oh non, mais. Non, mais. Vas-y, il y a l'étoile qui pète juste après. Non, non, il a un vu le TV de merde avant où il a pris deux, genre. Je t'avais même mis un pouradon, qu'est-ce que t'en veux, genre? J'aime tout le premier. Ouais, on savait, tu veux. Le son est trop bas, c'est ça? Sur le stream, le son du jeu. Alors, combien de raids à faire? Waouh, non, vous êtes pas drôle. Et on est trop intelligent, c'est pour ça. Est-ce que ça va le son du coup? Parce que moi j'ai le son un peu fort dans mes oreilles donc. Ah. Bah c'est ça en fait Yoshi, c'est que c'est moi pour le coup c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est que c'est vraiment genre l'aventure quoi. On est aventurier, on part vraiment à l'aventure.
Plus que ARR d'ailleurs, clairement plus que ARR. Ça, ça voilà quoi. Dans ARR, on n'est pas juste un post-it glorifié, genre. Hein. Non, je trouve que vraiment ils ont bien géré cet aspect aventurier qui justement qui nous ont vendu pour le coup. J'ai cru que tu arriverais pas. Il y avait pas de casse, il m'a bien foutu. Ah oui. Et je voulais garder la mêlée reine. Bah oui. En fait, c'est ça, c'est que du coup, tu vas quelque part où personne connaît ton passé, du coup, il n'y a pas ces préjugés ou quoi. Donc, je trouve ça bien. C'est un background, ok. Non mais il y a des très bons FF qui sortent, c'est juste que c'est pas... Enfin, il y a ces différents styles pour différents goûts, et oui, ça peut pas plaire à tout le monde, hein, mais... Ça veut pas dire que les derniers FF qui sont sortis sont mauvais pour autant, c'est juste que ça plaît pas à tout le monde. Parce qu'ils essayent aussi d'innover, ils essayent aussi de faire des nouveaux styles. Ah, t'as vu ce truc-là, vraiment, tout à l'heure? Le truc qui t'a pas fait de dégâts, là? Après, dans tous les cas, chacun ses goûts, hein. Moi, je suis jamais été fan du tour par tour. Il y a certains tours par tour que j'apprécie, mais en règle générale, je suis pas fan. Mais ça veut pas dire que c'est des mauvais jeux pour autant. C'est juste que moi, c'est pas mon style. Mais il y a des très bons FF hein, qui sont sortis dernièrement. Hein. Le 16, apparemment, il est fou. J'attends qu'il sorte sur PC. Il y a les rageux ici, je sais pas où. Le 16, par contre, quand même, c'est en action, quoi. Ça a changé. On prend pas de dégâts. Ouais, littéralement zéro. Oui, et puis la star qui pète, j'ai envie de la faire péter maintenant parce qu'elle va péter dans rien. Et par rapport au. Oui, je. Le sais, à un seul perso. Je comprends, petit bâton, mais il faut pas oublier que Square Enix, il existe depuis très longtemps. Ils sont obligés à un moment donné d'évoluer aussi parce que les attentes des joueurs évoluent aussi. Du coup, ce que les joueurs attendaient au tout début de Square Enix, de Squaresoft même, je crois, n'est pas forcément la même chose que ce qu'attendent les joueurs maintenant. Donc, c'est normal que ce soit pas forcément tout le temps le même format du début à la fin. La preuve avec FF14, quand FF14 est sorti, ça a fait un giga flop parce qu'en fait, ils ont voulu rester sur leurs acquis, sur ce que les gens aimaient à l'époque. Sauf que du coup, ça a pas plu du tout. Ça a fait un giga flop parce que les attentes ont évolué. Ça. Oui, non, mais il n'y a pas que ça, mais c'est... Que le jeu était bien plus long aussi. Oui, non, mais il y a ça aussi, mais c'est surtout parce qu'ils se sont vraiment basés sur ce qui fonctionnait chez eux et pas sur ce qui fonctionnait ailleurs. Du coup, oui, ça a fait un flop. Non, je vais me décaler à cause de ça. Il y a plein de choses à prendre en compte. Après, encore une fois, oui, ça, chacun ses goûts. Aïe. Ah d'accord, c'est mon visuel. Chiant, mais fait. Oui. Aïeux. Là, pour arrêter ça. Mes aïeux. C'est ça, oui. Oula. Là, c'est pas mal. Là, ici, je suis pas mal. Oh, tu peux anti-bump, là, c'est ça. Oui. J'avais dit là, c'est pas mal, là. C'est pas mal. Et oui. Quelqu'un est tombé du ring. Oui, c'est moi. Fat boy. Tombé du ring. Merci pour le reste. C'est bon. Jarmont, la star. Merci. J'adore ce job. J'ai commencé à jouer ce job il y a littéralement 3 jours. Je kiffe. Astro? Ouais. C'est vrai que c'est bien fun. Pourquoi il bouge? Non, Devuné. Ah non, même pas, c'est juste des dots. J'ai pas, je vous remonte. Mon update. J'étais de mauvais côté, sorry.
J'ai pas regardé, en fait, je regardais les barres de vie des sorts. Il y a pas de dégâts. C'est vrai que j'ai un nouveau sort niveau 100, j'avais pas vu. Ah bon. Mais non, mais parce qu'en fait, mes trois barres, elles étaient blindées et du coup, bah, le nouveau sort s'est pas mis dedans. Du coup, j'ai pas. Ils sont huge les dégâts. Hein. J'avais pas fait gaffe. Non, Mira, j'ai pas vu mes 3000 de potentiel niveau 100. Oui, bah écoutez. C'est vous, s'il vous plaît. Oui, bah, on peut pas partir tout de suite en fait, du coup. Je fais péter ma star, calmez-vous. Vous pouvez pas bouger. Ah, le nom du jeu, ça que ça rappelle, c'est Arms. C'est mon jeu. Ah! Effectivement, c'est Eda, un peu plus. Eda, pourquoi tu suite. Te barres de l'uptime? Je vais frapper, hein. Alors, que t'es un mêlé, quoi. Alors, rappel des bases du jeu. Quand on doit se séparer les uns des autres, les distants vont loin. S'en vont, les mêlés. Les mêlés restent. Au cac. Ils nous emmerdent quand ils ont pas l'uptime et quand on leur laisse, ils se barrent. Bon, bah, il va être content le DPS. Hein, vous inquiétez pas, hein, il est pas énervé. Hein, juste. Moi, il faut le pantalon. Ah, j'ai fait 3, bah super. Hein. Autant dire que je le voulais pas. Hein. Pas mal en vrai là. J'ai fait 3 nounous. Ah, déjà. Sur quoi? Le pantalon. Le pantalon qu'elle voulait. Pantalon, y'a pas grand monde d'autre hein, qui le veut que normalement. Hein. Moi je les ai déjà tous donc. Moi j'ai mes loot aussi. Hein. Vu que ça fait littéralement genre 10 fois chaque étage que je fais. Hein. J'ai eu le temps, je suis juste content. T'as eu ton pantalon, Mali? Voilà. Oui, merci. J'ai Mali pour le pantalon. Est-ce que je peux l'acheter? Je sais plus si j'ai tous mes loot en fait. Eh, vous savez quoi? C'est moi qui ai l'honneur du PU. C'est vrai qu'on avait un PU. Bah, du coup, est-ce que tout le monde a débloqué tous les raids ou il y en a qui ont des cinématiques? Ok. Bah, tu dis quand c'est ok dans ce cas. Ouais, dans ce cas, je crois qu'on a le temps de crafter. Ah, j'ai réussi à me retenir de heal, moi. Ouais. J'ai moins d'HPS que Mali. Wow. De toute façon, un petit bâton. Je brille de 62% quand même. Que ce soit pour toi ou pour les autres, personne te force à jouer au jeu qui t'attire pas. Donc, oui, c'est vrai que des fois, on peut dire bah, j'aimerais bien un nouveau FF comme avant, machin et tout. Ça, je comprends. Hein, je comprends. Tout le monde le pense. Hein, pour plein de jeux d'ailleurs. Hein. Moi aussi, j'aimerais bien des remasters de certains jeux. Ah, mais il y a plein d'autres jeux aussi qui sont très bien, qui ne sont pas des Final Fantasy d'ailleurs. Prochainement, je pense qu'ils referont jamais des vieux FF à part en remaster. Hein. Ah, c'est ça, le prochain c'est le 9 normalement, ça j'ai hâte. J'aurais aimé le fond en remaster, remaster ou en remake. Non, c'est un remake, je crois. Parce que du coup, il risque de le faire, enfin, il risque de. Bon, c'est vrai, c'est négatif comme ça, mais il risque de le faire à la FF7, quoi, tu vois. Genre... Ça te dérange pas pour le coup. Coucou Alvis, comment vas-tu? Ouais, mais c'est un peu sur le sujet de. Y a des gens qui aimeraient bien du Ouais, mais le tout par tour, c'est vieillissant en fait. Non. Bah, y'a que Dragon Quest qui arrive à faire du bon tour par tour qui vieillit pas en fait. Oui, genre, et... Pourquoi essayer de se remettre dans la bataille alors qu'il y a déjà une licence qui vient en plus de chez eux qui fait bien le boulot, genre. Puis, puis en plus, t'as d'autres jeux qui font du tour par tour bien, genre t'as les Octopass, des trucs comme ça. T'as les Bravely Default aussi. VF Remake n'est pas sorti, c'est le remaster et c'est juste un upscale. Bon jeu, les Bravely, tellement une bonne série. Ah, mais oui. Sauf le dernier qui est très moyen en termes d'histoire. Amorak, ça y est, je fais le violet. Default 2, c'est bien ça. Ça m'avait. Genre. Ça m'avait trop choqué parce que ils ont Bravely Default, Bravely Second. Moi je m'attendais genre à un Bravely Third, tu vois, pour rester dans le thème. Bon. Ouais, mais non, parce que c'est pas dans le même univers donc ça marche pas. Ils pouvaient pas faire un Third alors que c'est pas dans le même canon. Ah! Merci de m'expliquer parce que je l'avais pas du tout touché. C'est comme les FF, il y en a quasiment aucun qui sont dans le même univers à part qu'on s'est explicitement dit dans le Coucou jeu. Coucou Logan! Bah, moi ça va, Alvis. Si tu veux, on a une place de DPS, mais on est sur Shadow Pixie. Je l'ai quand même bien apprécié, quand même. Si jamais. Là, on a fait le premier raid déjà. Il était bien en termes de gameplay, mais c'est vrai qu'en termes d'histoire et genre des persos en eux-mêmes, je me suis un peu emmerdé quoi. Genre, par contre. Hein. C'est vrai que Bravely Default et Second, ils ont des gros twists quand même très intéressants. Puis en soi, le truc, c'est que Bravely Default, le premier, finit sur un cliffhanger. Genre, c'était des connards. Hein. Genre. Heureusement, il y a eu le Second qui est sorti.
Genre Bravely Default, il se finit sur ton personnage principal qui s'évanouit genre et qui meurt genre what the fuck. Bah techniquement moi quand j'avais vu ça je me suis dit non c'est pas possible qu'il le tue, il y a forcément une suite. Mais et à la fin de... mais oui c'est vrai, mais c'est vrai ce que tu vas dire, à la fin il y a eu une vidéo d'intro. Il y a un trailer à la fin du 1 pour le Seagun. Voilà. C'est n'importe quoi genre. Quasiment tous oui. Les Kingdom Hearts, ils ont genre un trailer de fin. Oui, Mali. J'essaye de pas parler en même temps. Est-ce que tu as la macro pour craft le stuff du coup avec le 620 overmeld? J'ai la flemme d'aller sur Teamcraft. Si je vais regarder, attends. Ouais, mais est-ce que t'as les mêmes stats que moi? Je sais pas. Attends, peut-être pas. Je vais regarder. Sûrement pas. Parce que sinon, je te la génère en balle, mais... Non, mais sinon, je vais sur Teamcraft et je vais en choper une, hein, mais... On en parle du scénario de FF13, le seul truc cool, c'était les... Non, et Lightning aussi. Lightning aussi, seul portrait bien écrit de FF13. Bah, c'est pareil, FF13, il y a des gens qui adorent et il y en a d'autres qui aiment pas du tout. Moi, j'ai essayé d'y jouer, j'ai vraiment pas accroché. Après, je sais pas au niveau de l'histoire ce que ça donne, mais il y a quand même des gens qui ont aimé, donc c'est que il y a des trucs qui plaisent. FF13, mais... le problème, faut assumer que t'as genre 5-6 heures de tuto à passer avant de rentrer dans le jeu. Ah ouais, mais je crois que. Je crois que j'ai pas assumé. Faut assumer que l'intégrale des quêtes secondaires, c'est 64 chasses, quoi. Moi par contre, je vois même Lightning éclater, j'entends quelqu'un qui est délu. Hein, mais... Coucou. Bonsoir. Moi je suis tombée sur une personne qui dit qu'elle est deg qu'il soit autant critiqué car c'est son préféré. Bah forcément, quand on critique un jeu qu'on adore, on n'est pas forcément très joyeux. Hein, je veux dire, ouais. À choisir dans la franchise, mais, je préfère quand même la deuxième partie. En fait, faut vraiment pas. Faut pas oublier. Faut pas oublier que de toute façon, il y en a pour tous les goûts. Donc, il y a des gens qui vont adorer Elden Ring, il y a des gens qui vont détester Elden Ring. C'est comme c'est ça. Des gens qui ont pas de goût, ça. Non, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il y a. Je veux dire ce qui est. Chacun aime ce qui. Enfin, aime des trucs différents, c'est tout. Et c'est pas grave, hein. Oui. Au Japon, FF13 est super populaire. Oui, non, mais même au Japon, il y a des gens qui vont pas aimer FF13. Hein, Sinon, est-ce qu'on au Japon, il y a des vidéos chelous. Est-ce qu'on peut être d'accord que FF15, bon... C'est une trahison FF15. Désolé, mais moi, je l'avais bien aimé. Hein. On va rester poli et dire que c'est pas très bon. Sinon, il y a des mots qui vont sortir. De mon point de vue, vu que je l'ai fait avant la première, avant la sortie, vu qu'ils m'ont envoyé le jeu en avance, j'ai pas eu l'opportunité de me taper l'épisode réécrit. Du coup, c'est biaisé et c'est de la merde. Ah. Mais parce non, que mais c'est façon, bon, passer mais... 2h30 dans un train à la con, j'ai autre chose à foutre. Non, mais de toute façon, FF15. Genre en fait quand tu discutes avec les gens qui aiment le jeu, ils sont là ouais mais le fait qu'il faut regarder qu'il a fallu regarder un film pendant longtemps, c'est pas grave, qu'il y a des DLC que t'es obligé de faire des DLC pour savoir ce qui se passe à tes persos de ton groupe pendant qu'ils se cassent, what the fuck. En fait FF16 oui c'est pareil, il y aura forcément des gens qui vont critiquer, des gens qui vont l'adorer, parce que il y a des gens qui sont fans de comment dire du des FF de base, il y a des gens qui adorent le système initial des FF, et du coup, bah, FF16, c'est ça entre. Enfin, j'y ai pas joué, donc je peux pas dire, mais c'est quelque chose, c'est pas le même principe. Donc, forcément, ces gens-là qui adorent, qui ne jurent que par les FF 1, 2, 3, 4, machin et tout, forcément, ils vont pas aimer FF16. Mais on s'en fout, chacun ses goûts, hein, c'est pas grave, c'est pas parce qu'ils aiment pas que vous avez pas le droit d'aimer. Hein. Oui, alors par contre, faudra qu'ils sortent une grave. Attends, moi je vois le même avec FF7 et Advent Children. Alors non, il y a une grosse différence, c'est que tu peux faire FF7 sans faire Advent Children et globalement tu comprends tout. Là où FF15, si à l'époque tu ne regardais pas le film et que même dans Children, bizarre, ouais. Tu ne fais pas les DLC et tu ne regardes pas l'animé, il te manque plein de points de lore. Et Advent Children, au moins, c'est un vrai jeu. Advent Children, c'est après surtout, c'est bien après. C'est pas un vieux DLC surpricé de fou qui dure je crois 10 heures même pas. Enfin bon, c'est bon, hein. C'est pas comparable. Advent Children, c'est un film.
Yoshipi était super content parce que je lui ai dit que... Oui, mais c'est quoi le nom du DLC de FF... Enfin, de l'autre jeu FF7 qui est dans la même continuité alors... Un remake, Rebirth. Là, sur TeamCraft, ça me dit HQ moyen 26%. Non, parce que tu sais, Mira, il y avait un autre jeu FF7. Ah, il y en avait plein, il y en avait pourtant, plein. Pourtant, j'ai enregistré mes stats. Mais oui, du coup, Avenged Redone, oui, c'est le film. De toute façon, c'est le film, mais c'est une continuité, du coup, t'en as pas besoin pour comprendre le jeu. Nono, il me dit j'ai 26. Dissidia, c'est des univers alternatifs. Dissidia, c'est à part. C'est hein. Autre chose. Voilà. Ouais, quand tu veux pousser, t'as des trucs comme Dear Job Cerberus, l'histoire de Vincent et tout. Mais voilà, c'est ça en fait le truc, c'est que FF7, tu peux ne pas faire les jeux ou regarder le film, enfin les autres jeux, tu comprends, globalement t'as un jeu fini en termes d'histoire. FF15, c'est pas le cas. Donc le cas, si t'as pas vu Kingslave, y'a plein de trucs tu... Alors ça, pour Kingslave, ils ont mis des cinématiques de on est parti sur un débat. Pour expliquer, donc maintenant ça va au niveau de Kingslave, mais... Par contre, au niveau, je crois, il y a un animé ou une BD, je me souviens plus, genre aussi, qu'il faut lire. Il y a un animé de 4 ou 5 épisodes. Voilà, il y a un animé qui t'explique des trucs et qui, ça, c'est pas dans le jeu. T'as les DLC, genre, il y en a 4 à faire pour expliquer ce qui se passe au perso. Parce que sinon, genre, t'as genre Ignis, il se barre, il revient, il est aveugle, pourquoi? Alors, bah, c'est pas expliqué en détail, mais c'est expliqué pourquoi, même si tu fais pas le DLC. Bah ouais, mais c'est un peu nul en fait, tu vois, genre, on mais te dit, ouais, le. T'as que 4 DLC, il y en a 5, parce qu'il y a aussi celui de Hardin. Oui, c'est vrai. On te dit oui, ton perso a vécu des aventures. Bah ouais, mais je veux savoir ce qu'il a fait en fait. C'est nul de me dire juste qu'il a vécu des trucs, il est aveugle maintenant. Genre, what the fuck. Le principe de tolérance. Toi, tu racontes toutes tes vacances quand tu vas en vacances et que tu reviens voir tes potes. Le principe de tolérance. Je suis allé en vacances en fait. C'est ringard et voix disparaissent. C'est à cause de ces conneries que des gens. Attends, j'arrive pas. Attends. Que des gens mangent des pizzas à l'ananas ou font des rangs de PVP en toute impunité. Si on met pas le hola tout de suite, ça finira mal. Non, mais après, ironie. Ironie. Non, mais entre parenthèses, ironie. Non, mais je veux dire, c'est comme ça. On n'a pas tous. Genre, les gens qui mangent des sushis avec de la sauce sucrée, bon, pour moi, c'est une hérésie, mais je vais pas aller les. Ce que je veux dire, c'est que bah, je vais pas les insulter pour autant. Tu veux que je te dégoûte encore plus? J'ai vu des gens bouger des sushis avec du ketchup. Hein, bref. Oh mon dieu. Moi aussi. Oh. Moi aussi, moi aussi hein. Alors là, par contre, je vais peut-être me lever de ma chaise là, par contre. On va pas tomber, hein. Non, mais. Faut, c'est juste voilà. Peut-être, c'est on a tout à fait le droit de parler et de débattre de nos goûts en termes de jeux vidéo, mais faut pas non plus vouloir imposer que un tel jeu est mieux que l'autre. Chacun ses goûts en fait. Enfin, voilà. Genre à moins que le jeu soit vraiment objectivement mauvais, genre il y a des jeux c'est des aberrations, il y a des gens qui disent que ça leur plaît, c'est juste pour troll, tu vois, mais. Non, il y a vraiment sincèrement des fois des gens qui aiment des mauvais jeux. Mais hein. Oui, des fois il y a des gens qui aiment des mauvais mais jeux. Mais il y en a ça pas beaucoup. Ça peut parler, voilà, ça peut parler à quelqu'un de par le style de gameplay qui parfois ils peuvent voir quelque chose en plus que le gameplay peut essayer de raconter, mais en vrai c'est genre pour la plupart des gens, genre, c'était quoi ton idée en fait? Bah, c'est le next level de la niche. C'est niche pour une seule personne. Voilà, mais parfois il y a des gens qui j'ai font aimé... des jeux comme ça pour se faire plaisir à eux-mêmes aussi. Hein. J'ai aimé Tortue Ninja sur NES. Pardon, t'as oublié le R entre le U et le E. Tortue Ninja sur NES, pour te remettre dans le contexte, à l'époque c'était un bon jeu, mais qui a très mal vieilli. J'ai fini les cinématiques voilà. Depuis un moment. Hein, non, c'est bon Ninja okay. Sur NES, mais non, c'était pas un très bon jeu qui a très mal vieilli. Hein. Il faisait un moment que je l'avais dit. Oui, mais. Comme j'aime on parle bien beaucoup. Faire des vieux jeux et Tortue Ninja, c'est une purge. Hein. Non, je pense que le pire jeu du monde, ça reste Tintin au Tibet, hein, avec les hitbox rincés là. Genre. Bah, surtout que le jeu est pas intéressant à faire, Tintin au Tibet. Ok, je tag le deuxième, messieurs, dames. On attend pas... Bah, dans ce cas-là, autant sortir le avec qui hein. Bah, je sais pas, il a dit qu'il était en roulette. Oui, et comment dire, je l'ai fait le deuxième aujourd'hui. Je l'ai fait à l'instant, le deuxième. Oui, donc, mais du coup, nous, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu viens avec nous ou pas? Il y a quelqu'un qui vient de me spawn dedans là. Est-ce que vous allez faire le troisième? On va faire le deuxième, et ensuite le troisième, et ensuite le quatrième. Eh ben, je viens pour le troisième. D'accord. Et bah, dans ce cas, ça te laisse le temps de venir sur Pixie. Voilà. Il s'assoit sur 40 mémo bonus des gens qui ne l'ont pas fait. Ah là là. J'avoue. Ah là là. Mais, ouais, enfin, genre. On pourrait parler d'IMH aussi.
Bah les MH en vrai, mis à part les tout premiers qui ont très mal vieilli, hein, genre... Il y en a qui n'aiment pas du tout Monster Hunter Stories, il y en a qui adorent... Après Monster Hunter Stories, je pense, c'est vraiment une autre comparaison, parce que là on compare quand même Monster Hunter de l'action... Bah, ah oui, non mais... Alors, justement, c'est pas comparable toi, techniquement, mais il y a quand même des gens qui comparent, bon, voilà quoi. T'as dit des gens, j'ai entendu des débiles, désolé my bad, Oh. Non mais alors, du coup je vais poser ça là. C'est comme les gens qui comparent WoW à FF14. Ce n'est pas le même univers, ce n'est pas le même public visé. Oui, il y a des forcément c'est deux MMO, donc on peut les comparer d'une certaine façon. Alors, mais tu vas pas comparer par exemple WoW et Dofus. Non mais oui, voilà. Mais ce que je veux dire c'est que on peut comparer deux MMO RPG, il y a pas de souci. Mais il faut aussi penser que oui, le physique public, le public visé n'est pas le même, que l'univers n'est pas le même non plus, donc forcément ça plaira pas à tout le monde. Après, il y a des gens qui adorent WoW et qui adorent FF14 aussi. Et il y a des gens qui n'aiment pas les deux. C'est l'artistique, par contre. C'est pour ça que quand je dis on peut comparer, mais il faut prendre en compte aussi certaines informations quand on compare. Parce que voilà. Genre, Ouais. Enfin, voilà, je pose juste l'info. Je demande pas non plus à débat, je dis juste, on peut comparer, ok, mais faut pas non plus tout mettre dans le même sac, puisque, bah, déjà, c'est pas le même pays qui fait le jeu, donc ils ont pas non plus les mêmes idées, ils ont pas non plus les mêmes références. Je pense qu'il y a quand même suffisamment de similitudes, au moins de gameplay, entre WoW et 14, pour qu'il y ait un peu de comparaison. Au niveau du gameplay, oui. Ça, je suis d'accord. Bah, c'est un MMO, je vais pas comparer WoW et FF14 avec genre online, en fait, ça marche pas, tu vois. Au niveau du gameplay, oui, voilà, on peut comparer, parce que c'est deux MMO, donc oui, on peut les comparer. Bah, c'est deux MMO avec des gameplays qui se ressemblent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'histoire, au niveau de plein d'autres choses, est-ce que ça vaut vraiment le coup de comparer, enfin... Il y a une histoire en gros, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas joué au jeu donc je ne dis rien. Ouais, je pense qu'il y a plus de skips cinématiques à faire sur FF que sur WoW, hein, clairement. Ouais, non, mais dans le sens où je connais aucun des potes qui jouent à WoW qui connaît l'histoire du jeu. Hein. Pendant ce temps-là, il y a Lo qui est fou gaga avec le point de charge. Et regarde quand tu le caresses, il fait le big stretch, regarde. Oui. Le big stretch. Oui. Quand j'étais toi à la, tu vois, la dédicace Yoshipi, devine il y avait qui derrière moi? Je sais pas. Le mec qui avait posé la question Crunch à la conférence. Mais alors du coup la question, moi je l'ai pas entendue parce que comme j'étais en train d'attendre mon tour, j'ai pas entendu qu'est-ce qu'il a demandé. Je crois qu'il a demandé par rapport au Media Tour, non? Ouais, pourquoi il y avait pas des indés qui étaient pris en compte, mais genre... Des indés ouais, ah, des indépendants des... Voilà, des indépendants qui jouent au jeu, alors... L'avoir en travers de pas avoir été invité. Alors, je peux comprendre, mais ça sert à rien de demander à Yoshida, puisque c'est pas lui qui gère ça, en fait. C'est juste les bureaux européens qui ont géré ça. Donc, s'il veut poser la question, faut qu'il demande aux bureaux européens pourquoi est-ce qu'effectivement, oui, ils ont pas pris des créateurs de contenu qui font quand même pas mal de choses. Je peux comprendre la frustration. Parce que oui, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de monde. Mais dans tous les cas, ça sert à rien d'emmerder Yoshipi avec ça, il n'en sait rien, lui. Genre déjà, il est producteur, directeur du jeu, si les gens ils pensent qu'il va aussi aller sélectionner les créateurs de contenu pour les médias tours dans le monde entier, je suis désolée, mais je pense qu'il a autre chose à faire. Le monsieur, il faut qu'il dorme, des fois. Vous avez vu les rides qu'il a, enfin les rides, les cernes plutôt. Il aurait plus dû demander quand est-ce que les Vira pourront mettre des chapeaux sur leurs oreilles. Hein. Mais oui, par exemple. Alors en vrai, il y a des chapeaux à Dontrade, du coup, maintenant qui marchent, qui sont adaptés aux Vira. Non, mais sur les oreilles, voilà. Au bout des oreilles, pas sur la tête. Moi, je veux des chapeaux sur les oreilles. Ah oui, mais non. Genre le petit papier, le petit chapeau qui est sur le haut de l'oreille. Les oreilles sont très musclées, hein, ça tient. Parce que tout à l'heure, par exemple, tu vois, j'ai vu un Vira qui avait le chapeau du donjon 97, genre. Et ça fait comme pour les Elezen et les Lalafel, c'est-à-dire que t'as des oreilles en métal adaptées en fait au niveau des oreilles. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ils font petit à petit.
Voilà. Bah après, je pense ils vont pas adapter les très vieilles armures, genre, mais je pense qu'à partir de Dawn Trail, ils vont faire des efforts pour les Vira et les Rodgar aussi. Oui, en fait, il y en avait probablement Yoshi, parce que j'en sais rien, je suis pas allé, donc je sais pas. Il y en avait, mais c'est vrai que je pense que pour certains pays, les gens s'attendaient probablement à quelqu'un de connu, et il n'y a pas eu, il y a probablement pas eu ces personnes-là, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont pas contents. Mais après, dans tous les cas, ça sert à rien de demander ça à Yoshipi, genre. Je veux dire, en plus, t'as l'occasion de poser une question à Yoshipi à la Japan Expo. Genre, au moins, faites comme la Mikote qui a demandé est-ce qu'un jour on pourra avoir une relation avec les PNJ, s'il vous plaît. J'ai aucun avis là-dessus, je dis juste que c'est déjà plus intéressant à poser comme question, tu vois. Bah, déjà, elle a choisi Gashola comme personnage, donc déjà. Voilà. C'est son cosplay. Et ouais, son cosplay, c'est trop stylé. Apparemment, c'est une cosplayeuse française assez connue aussi. Mm. Oui. Tiens, d'ailleurs, mon amie m'a envoyé des photos. Elle a dit que le meilleur truc qu'elle avait vu à Japan, c'était Yoshipi. Elle était contente. Mais franchement, la conférence, j'avais déjà été voir la conférence en 2018 où justement, elle expliquait un petit peu comment ils faisaient le jeu, en fait. Comment ils faisaient leur jeu, comment ils trouvaient les idées, comment ils mettaient ça en place et tout. Et c'était vraiment une conférence en mode, si vous voulez créer un jeu vidéo un jour... Et c'était vraiment en mode... intéressant. Ouais, franchement, c'était super intéressant. Et du coup, j'étais un peu... je vous avoue que je m'attendais pas forcément à grand-chose, parce que là, la conférence, c'était plus... pourquoi est-ce que vous ne jouez pas à FF14? Donc c'était vraiment... pour les gens qui ne jouent pas à FF14 ou qui ne jouent pas à un MMO tout court. Donc c'était vraiment pour vendre le jeu. Mais en vrai, enfin, je sais pas pour toi Yushi, mais j'ai quand même trouvé qu'il avait... Enfin, le truc était quand même bien fait. Oui. Il a bien vendu son jeu quand même. Absolument. Voilà. Plein des petits détails qui étaient mis en avant, je les pratique avec ma sœur aussi. Mais une grosse joueuse par exemple. Moi je me rappelle juste que quand il a parlé un petit peu des mentors hein, et que ça a un peu rigolé dans la salle. Parce que en fait le truc c'est que lui les mentors qu'il connaît probablement c'est les mentors sur les serveurs japonais. C'est-à-dire les mentors bienveillants. En tout cas d'apparence bienveillante. Les mentors d'apparence bienveillante. Parce qu'il faut pas oublier c'est pas parce que les japonais ils vont rien dire dans le jeu qu'ils vont pas râler derrière. Hein, attention, hein, faut pas non plus les mettre... en mode piédestal et tout. Contre, non, non. Mais le truc, c'est que bah, nous, forcément, tout le monde a rigolé parce que bah, en Europe, on sait bien que les mentors, c'est un petit peu une couronne Burger King, quoi. C'est-à-dire que t'en as quelques-uns qui vont quand même essayer de bien respecter le contrat et t'en as d'autres qui n'ont juste rien à foutre, qui veulent juste récupérer leur monture ou leur truc ou je sais pas quoi. Voilà. Et du coup, Yoshipi, il a pas compris sur le coup. Il est en mode pourquoi il rigole. Il était vraiment genre, mais pourquoi il rigole quand je parle de ça? Mais je crois que le traducteur, il a pas traduit d'ailleurs, mais c'était marrant. Coucou, Krige. Moi, j'écoute la musique de l'étage 4. Krige, c'est pas parce que je te dis pas bonjour dans la seconde où tu as mis ton message que je te dis pas bonjour. Mais je sais pas si tu te rends compte, mais le chat, je ne vois pas depuis le début du stream tous les messages. Tu sais, ça monte et ça descend, les messages, tu vois? Du coup, c'est 8 minutes qu'on attend des places, là. Oui, ouais, mais Alvis, il veut pas venir refaire le deuxième raid. Le raid en roulette. Bah oui. Parce qu'il nous manque une personne depuis tout à l'heure et on demande si une personne peut venir compléter le groupe pour qu'on ait pas à tant de tags, mais il veut pas. Parce que soi-disant, il a déjà fait le raid, mais moi je l'ai déjà fait aussi hier, le raid, je les ai tous faits hier. Je reviens quand même. Non mais. Mais là, je suis en roulette. Oui, bah j'ai compris, mais t'étais pas en roulette tout à l'heure. Au pire, Mali, c'est pas grave. Je vais voir si non, mais y a un DPS va venir, mais. Non, mais en fait, y a juste personne qui tag sur le serveur de mort, en fait. C'est ça. Normal, y a personne. Faut remettre un message en hurler. Surtout pas un mec tout seul, en fait. Bref, le dernier boss de. Need one pièce fort. J'ai juste enlevé un 1 et j'ai mis un 2 à la place dans le jeu. J'ai fait le duo dans le chat. Il reste juste le dernier boss de l'épopée. On voit mes oreilles à travers. Non! J'arrive pas à écrire le nom. J'ai dead ça. Je raid. Ok, merci. J'avais pas vu. Gagné. Je suis mort devant tant de bons. Mais Krige!
Ouais, je t'entends. Arrêtez de me faire dire des choses que j'ai jamais dit. Je viens de te dire bonjour, mais le problème, c'est que vous mettez un message, d'accord? Il y a plein de monde qui parle entre-temps, donc le message, je le vois pas toujours la première fois. Mais quand le deuxième message, c'est « Bah super, on me dit pas bonjour, oh, gneu, 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 je boude. » Bah comment tu veux que je réagisse? Si j'ai pas vu ton message la première fois, tu peux le réécrire une deuxième fois, t'as le droit d'écrire une deuxième fois. Parce que j'ai juste pas vu. Parce que là, ton message, tu vois, sur mon chat, eh ben, il est plus haut que Drop FF14. Bon, donc je ne le vois pas. Oui. Donc je ne le vois pas. Oui, oui. Oui, on t'entend mieux. Merci à la manette PS5. Mais j'en peux plus, vraiment, la manette PS5, elle est meilleure. Alors, la manette PS5, vous allez dans vos paramètres de son et vous allez sur le haut-parleur de la manette PS5 et vous faites désactiver le périphérique. Et comme ça, vous n'êtes plus jamais emmerdé. Mais oui! Ça va, Krige! Qu'est-ce que je voulais? Ouais, Ida, je voulais te dire, il y a un jeu qui sort en août qui devrait t'intéresser. Il y a plein de jeux qui sortent en août. Vision of Mana. Ah. Il est pas déjà sorti ce jeu? Non, il sort bientôt. Est-ce qu'il y en a qui ont joué à Age of Empires? Non. Oui, il y a longtemps, hein, sur Windows 95. Il y a très longtemps. Hein. Et bah, moi aussi, Krige. Sur Cobra qui voilà. Balançait des cailloux, moi aussi. Il était super sonique. Parce qu'il y a le remake qui va sortir de Age of Empire et Age of Mythology. Sur ma série X. Il y a le Mythology qui va sortir en remake. Age of Mythology, excuse-moi. Mythology. Attends. Please. Ouais. Attends. Non, on n'a pas besoin d'un DPS, on a besoin d'un tank. C'est quoi les Memo Quartz actuels? Si, on a besoin d'un DPS. Esthétique. Ah, pardon, c'était Eda, c'était mis en DPS pour être classe. Il me reste juste le dernier boss et je vous rejoins tout de suite. On essaye de les attirer avec ce qu'on peut. Hein. Ouais, non, mais là, ça fait... Déjà, de base, je dors pas bien. Et là, ça fait deux nuits où je me réveille de ouf la nuit. Genre, ça me saoule. C'est quoi la verse des lions? Du coup, j'ai fait une toute petite sieste tout à l'heure. J'ai cru que j'allais jamais me réveiller. Tellement j'étais crevée. Pas de chat. Je t'ai... Tant de quoi? Tant de beauté. Tant de beauté, mais j'ai pas bien écrit. En vrai, j'aurais dû demander à Chouchou, elle est connectée. Ouais, mais Chouchou, elle est jamais là quand on a besoin, hein. Je sais pas si elle s'est débloquée les rêves. C'est quoi la musique là? Qui c'est qui? C'est quoi ce bordel? Qui se passe? Alvis, ta musique. Voilà. Je vais envoyer un MP. On entend tout, hein, sinon. Mais quelle infamie. C'est chez qui la musique, là, s'il vous plaît? Faites un petit peu attention au son, quand même. C'est une story Instagram. Bah oui, bah tu baisses le son ou tu... Je sais pas, parce qu'en fait, on entend tout. Non, c'est pas on entend tout, ça me froisse les oreilles. Oh, c'est incroyable, ça fait 13 minutes qu'on attend, quoi. Personne qui veut un bonus mémo, genre vraiment. Regarde, il y a des DPS, genre là, il y a une DPS. Ouais, là, il y a une DPS. Là, ils passent du temps avec leurs amis. Là, il y a DPS. Là, il y a un sage. Maintenant qu'il y a le Viper, c'est quoi physique? Viper? Non, c'est le Reaper, je crois. Non, Mira. Viper, ça commence à taper ses côte-côte, mais Reaper est devant quand même. Parce que ils ont mis des potentiels absurdes sur le Reaper, donc... On va regarder ça. En fait, dans d'autres circonstances, Roy aurait peut-être pu nous accompagner. Malheureusement, il n'a pas encore fini l'épopée. Du coup... Est-ce qu'il shoot sa part? Il doit péter un câble, quoi. Bah après, bon, parce qu'il y a eu des soucis aussi du côté de ses amis, mais là, ils vont avoir plus de temps, donc ils vont pouvoir... C'est avec sa chef de sel qui fait l'épopée comme pour Endwalker. Hein. Avec Jenny et Ryo. Yes. Mais ils ont eu des soucis de leur côté, du coup, ils ont pris un peu de retard. Mais là, il m'a dit ils vont avoir des repos, des vacances et tout, donc ils vont pouvoir avancer. Bon, franchement, y'a personne qui veut un bonus mémo, là?
Attends, mais je vais aller. Je vais aller. Je suis presque fini. Ouais, mais t'es pas sur Pixie. Bah, je viens, attends, je viendrai sur Pixie. Ouais, ouais, ouais. Je brûle. Non, c'est bon, t'as les morceaux des pieds qui sont pas dedans. J'ai l'impression de taguer mon expert en tant que DPS le premier jour. Alors... Ouais. Non, mais c'est ça, Chris, vraiment, j'étais trop mal. Genre, j'ai vraiment cru que j'arriverais pas à me réveiller. En plus, y'a Rico, il est venu faire la sieste avec moi là. Il s'est mis sous la couette, il a pris mon bras pour que je le mette autour de lui. Après, il m'a mordillé un peu le bras. Comment tu veux te sortir du lit après? Mais c'est ça, c'est trop confortable. Voilà, t'as ton petit chat. Il est là, oui. Il est bien. Ça. Ah, mais meilleure sieste avec les chats. Hein. Meilleure sieste. Hein. Je comprends. De toute façon, c'est connu que le ronronnement des chats, ou la respiration même juste des chats, ça permet de... Ouais, ça te détend un peu. Oh, c'est bien. Ah bah putain. Non, personne, rien que la présence de chat. Et pourtant, rien qui ronronne, mais tu l'entends à l'autre bout de l'appart. Après, t'as le chat de Fly qui lui bouffe les pieds pendant qu'elle dort. Oui, bon, ça c'est autre bon, chose. Bon, après, il a 4 mois. Et... Chacun son chat. Hein. Après, il a 4 mois et en plus, c'est un. En plus. Non, mais le pire, c'est que c'est un chat blanc et roux. Ouais, mais oh, il est roux déjà. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est terminé en fait. Il est fighté, le pauvre. Ah, mais les chats roux, c'est spécial. Ymir aussi me bouffe les pieds quand je dors. Ouais, mais Ymir, je pense que c'est ce sera tout le temps un chaton. Déjà en taille, c'est un chaton, donc. Je pense que mentalement, ce sera tout le temps un chaton. Avec le plus gros. Bon, je vais essayer de trouver. Nounou, j'essaie de trouver une macro, mais samedi 26% HQ, là, je comprends pas. Pourtant. Rentre tes stats et fais-le. Mais je l'ai fait. Mais je l'ai fait déjà. Ah, mais il a pas pris en compte que j'avais les compos en HQ aussi, là. Mais il me met de la bouffe bizarre aussi. Moi, j'ai pas ça, moi. En fin de compte, il avait mis des sushis, je les ai éclatés. Il me reste pas beaucoup. Ah, mais si j'ai pas les bonnes bouffes en plus, non, ça me dit que c'est pas bon. Oui, oui. J'arrive. Ah, mais j'ai pas les bouffes, moi, encore. En fait, t'as... Ben non, mais c'est les vieilles bouffes. Bah non, il me met steak de runic et sérum de capacité, et si je mets les vieilles bouffes, il me dit que j'ai pas 100% HQ. Oui, parce que t'as mis le full contrôle, moi j'avais de l'habilité sans mon stuff. Bali, il arrive. Oui, oui. Bah on a Gritania sur Pixie. Tu vas, alors... je l'ai expliqué 300 fois, mais c'est pas grave. Pas aujourd'hui, depuis longtemps, je l'ai expliqué, mais c'est pas grave. Tu vas dans l'écran sélection de personnage, tu fais clic droit sur ton personnage, et tu fais voyager vers un autre centre de données. Ça, je le sais, c'est bon, je connais. Et bah, du coup, pourquoi tu poses une question? Non, mais je pensais qu'il y avait une autre... Pixie. Non. Non, c'est vraiment Shadow et Pixie, après, c'est comme oui. Si tu voulais aller sur bon, leur Live ou n'importe où l'autre. En fait, si je mets pas le... Ah, peut-être ça. Mais qu'est-ce que vous faites sur Pixie? Parce que l'eau est sur Light et on peut pas aller sur Light pour l'instant, donc on est obligé d'aller sur un autre dessin. Les gens sur Light. Ah, ça dégoûte. Ah là là. Bah, désolé, j'ai commencé sur Light. Je suis très content sur Light. J'ai ma maison sur Light. Ah bah de suite, on dit plus rien, hein. Il y a plein de maisons si sur... Maison, bah écoute, on en a aussi sur KO. Parce que tu me dis t'as une maison, je déteste le housing, donc bon, tu me vends pas du rêve. Moi, je transfère pas mes persos parce que... Je transfère pas mes maisons de KO vers Light, pourquoi? Parce que j'ai 4 persos qui ont chacun une maison sur un serveur différent. Et là, du coup, c'est chiant. Ah là là. Mais là, il y a une odeur. Après j'ai la plupart de mes amis qui sont sur Light aussi, et je suis content sur Light. Ça, non, mais là, c'est juste temporaire, de toute façon. Pas le je suis con. Oui, on est à Gridania. Moi, j'y vais pas, de toute façon, sur Light. Il y a trop d'Allemands. Vraie raison. Il y a Chouchou, mais ça pèse pas assez qu'il y a trop d'Allemands. Bah, surtout, sa taille. Elle serait là, elle m'aurait défoncé. Ah bah super. Et j'aurais dû l'apaiser après. Bah la macro, elle finit le craft avant même de faire le HQ. Il faut qu'on sève. Non mais c'était en synthèse d'essai, mais... Bon.
Mais t'as fait quoi? T'as cherché une rota ou tu l'as fait toi-même la rota? Non, j'ai cherché une rota. Non, faut la faire toi-même. Oh oui, bah. Regardez, j'ai toujours récupéré une rota et ça a toujours fonctionné. Hein. Oui, mais les mecs qui. Ah, quelqu'un est arrivé. Oui, eh ben, je tag tout de suite. Parce que voilà, il est déjà 22h24. Voilà. C'est bon, ah, c'est tout le monde est là, je tag. C'est parti. Oh non, il est pitié. Mettez la musique. Attendez, j'ai pas mis la musique. Ah. J'ai pas mis la musique. J'ai toujours la musique du 4. Faut que je remette les cinématiques aussi. Ah ouais. C'est où déjà pour les cinématiques? Je ne sais plus. Le point d'œil système quand même. Configuration personnage, si je me trompe pas. Oui, j'ai trouvé en même temps que voilà, je te demandais. Oui, le tout premier, abréviation des cinématiques. Un d'œil à qui arrive, Fabio Pagnou. Je vais comme toujours. Hein. Effectivement, c'est une idole. Voilà. Le clin d'œil quand même à FF7, Remake, Rebirth. À quel moment? Onibi. Mais apparemment, elle le dit dans sa chanson. Oui. Elle dit son nom. I'll be your queen bee, honey, lovely. Ok. Il va mourir. Moi. Probablement. Elle s'est déjà vendue, putain. Bah, je préfère dire que je vais mourir et peut-être ne pas mourir que dire que je vais pas mourir et mourir. Voilà. Ouais, je sais, c'est compliqué ce que je viens de dire. Moi aussi. Elle dit aussi qu'il faut être gentil, sinon vous êtes mort. Non mais en vrai, Yoshi, je disais ça quand je l'ai fait la première fois, mais il va tellement y avoir des cosplays de ce boss, c'est obligé. Après, pour les chaussures, je sais pas comment ils vont faire. Oh bah ça... Ah, j'avais encore pas vu. Eh, mais son attaque de merde, je la vois pas, hein. Ça m'énerve. Hein. Ils ont mis du jaune sur du jaune, là. Oui, je râle. Parce que quand tu as la caméra derrière, bah je la vois pas, son attaque. Là, tu la vois pas, l'attaque, là? Non mais là, celle-là, je la vois. Je parle de l'autre, patate. Celle au-dessus d'elle. Oui, parce que... Bah oui, mais non, parce que suivant l'angle de la caméra, vraiment, je vois pas. C'est jaune sur jaune, je vois pas. Là, tu vois quelque chose, là? Parce que moi, je vois rien, perso. Hein. Alors là, c'est normal. Hein. Là, je suis devenu aveugle. Ah, puis par contre, le commentateur me fume, vraiment. Oui, franchement j'adore que... Surtout que c'est censé être un lalafel en plus. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, bah t'as écouté la voix de Papa Limo en français. Oui, alors non justement. Parce qu'il se place mal. Ah, parce qu'il y a des ranges au cac, c'est tout. Hein. Puis les textes là. On n'a même pas le temps de lire de toute façon. Ah, je reste. Ouais. Mélo, mélo. Ouais. Ah bon. Et hein. Vous voyez pas les cœurs, ils sont trop petits ou... Désolé pour les positionnels. Oh non, j'ai marché un orteil dedans. Ah. Merci. On burst là. Oh mais il y a des morts par terre. Oui, tu me fais la deuxième. Ouais. Je reste. Non, c'est fait, Ah oui, ok, oui, je viens de voir. Je suis en light speed. De toute façon, ça sera bientôt terminé. Ah, ok, je regarderai après, Yoshi.
Franchement, elle fait trop rire cette musique. Hein. Mm. Ils ont vraiment été en mode OK Idol. Mais oui, mais génial. Déjà, puis il doit être. Ah mais ça, on s'est dit que j'en ferai regarder son arme, il n'y aura rien d'autre que son arme, à tous les coups. Moi j'ai vu Sadako, il s'est dirigé très très vite vers moi, je pense qu'il a essayé de me tuer là. Ouais. Dans la tête, il m'a pris. Je t'ai vu me foncer dessus, hein. Ah, j'arrive, je me rapproche. Puis elle parle vraiment comme... Bravo à moi, je suis tellement brillante. Non mais c'est vraiment le cliché, tu sais, dans les animes... genre la princesse du lycée, là... Ah, j'ai mal rentré. Ah, j'ai des ralentissements, je vais me faire toucher. La latence. C'est la latence server. Ah, merde. Touche ça. What the fuck. En plus, ça t'envoie dans le mur, quoi. Ouais, vraiment. C'est les ralentissements, soit dû à la carte graphique, soit dû à internet, quoi. Par contre, la musique, je l'ai. Touché, je sais même pas pourquoi. Oh, mais j'ai encore pas vu son. Mais elle me saoule. Cette attaque, vraiment, elle me saoule, hein, par contre. T'as dit qu'elle va être horrible. Si t'as le malheur d'être dans son dos ou quoi, je la vois pas. Hein. Mercredi soir. Je remonte. Je remonte, n'aille pas. Bah, deux groupes, hein, tout simplement. La prends. Non, tu. Bah, il faut pas atteindre les 3 coeurs dans tous les cas, donc vous battez pas quoi. J'en veux pas ton amour. Ah quel enfer. Oh, c'est moche. Je vais mourir. C'est moche. Tu es déjà mort, Eda. Tu ne le sais pas encore. Mais tu es déjà mort. T'as déjà raison, ok. Ah non. Mais tu vas acheter toute sa merde. C'est bon. Tout à fait, ouais. Ah ben non, c'était pas bon. J'ai cru que c'était bon, mais en fait, non. Oh mon dieu, c'est vraiment genre... Mali ? Oui ? Concernant les japonais, je sais pas si t'as vu sur les... J'ai rien compris, concernant quoi ? Japan Expo. Oui ? Y'en a qui ont râlé sur... et qui ont fait remonter l'info gérant. Alors ça coupe, du coup je comprends pas sur quoi ils ont râlé en fait. On va arrêter de parler avec la civile hein, par contre. En fait c'est parce que ça concerne un stand de vendeur de vestes de cuir. Oui, mais j'ai pas compris du tout la phrase que t'as la moitié des mots qu'on coupait. T'as râlé contre un stand. Oui, bah y a pas qu'un stand à mon avis qui a été râlé, puisqu'il y a de la contrefaçon et des IA qui ont passé, donc... Un stand qui faisait du forcing aux clients. Mais je peux plus taper. Ah bah ça... Je bosse dans des endroits saugrenus. Bah non, il met les envelopes time. Ah ouais, moi je suis de l'autre côté en train de faire des raids, un skip je peux pas taper. Genre. Arrête de plaindre. Ah mais c'est mon coil qui meurt en fait. Oui, je suis dead, désolé. J'ai pris une attaque, il m'a mis dans la zone et voilà. J'avais prévenu que j'allais mourir au moins une fois. Hein. Coucou Ayana, comment vas-tu? Elle a pas menti. Ouais, j'ai prévenu, voilà. Et voilà. Ah, je vous jure, son attaque là, mettez-vous vraiment genre caméra dans son dos ou devant elle. C'est ce que je fais, mais je me mets super loin.
Bah... Enfin, surtout c'est simple, c'est quand tu vois quelqu'un se modifie line... Oui, mais là, je connais pas encore les attaques, je l'ai fait que c'est la deuxième fois que je le fais. Moi j'ai entendu un « je vais mourir », il y a des gens qui font pas confiance. Hein, j'ai pas de soins, ça m'énerve. J'ai rien, j'ai rien du tout. Hein. J'ai rien qui se recharge là. J'ai pris 100 et j'ai pris à poil le truc, j'avais pas de quoi oublier. Ah c'est bon, j'ai mon pneuma, incroyable. Je raise l'eau. Merci. Tu vas raiser les deux, regarde ma mana. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Mais c'est juste de pas mourir aussi. Ça. Non, parce que... Non, c'est bon, je peux tirer une carte, je peux raiser les deux. Je suis en train, je suis en train. C'est bon, je suis presque fini. Bon bah je mets la boîte. Mais oui, c'est que la deuxième fois que je le fais, hein, donc je connais pas toutes les attaques, moi. Hein. C'est la troisième fois pour moi. Hein. Voilà. Bah oui, mais je regarde pas, j'essaie surtout de pas mourir, j'ai pas forcément le temps de regarder toutes les attaques. J'étais déjà à deux, c'est quoi cette merde? Et en plus, je suis en heal, donc... Samir, tiens, je te mets une aurore. Oh, t'inquiète. Allez, meurs là. Pas toi, mais... Non, mais... C'était pas pour toi, c'était pour le... Vas-y, meurs, je suis mort. Voilà. Mais non, mais c'était pour le boss que je disais ça. Super. C'était pour le boss que je disais ça, je jure. Tiens, regarde, je te raise, regarde, tu vois, je suis gentil. C'est bizarre, le boss est mort. Ouh, on a peut-être une musique. Ouais, je sais, mais je l'utilise, Yoshi, mais je l'utilise vraiment quand j'ai pas autre chose. Mais le problème, c'est comme faut le caster, bah il faut pas que j'ai besoin de bouger quoi. J'ai fait 14 jusqu'à pas de la voix. J'ai fait un 2 sur la musique. Ah, du coup, j'ai remis les cinématiques, hein, désolé. Peut-être qu'au final, le 14. J'entends vos rôles, vous faites pas le cœur, j'ai fait 37. Hein. Du coup, bienvenue Hayana, on est en train de faire des nouveaux raids sur FF14. Et là, c'était vraiment le mode idol. Voilà, Idol J-Pop, tout ça. Ah, c'est le prochain événement. Oh, j'avais pas vu qu'il avait écrit son nom dans le fond entre la mandragore et le mob. Ah, bah, les autres. Ah, oui, c'est vrai que j'ai les loups dessus. Ah, bah, j'ai la musique. Merci. Ah, bah, j'ai rien fait 95. Mais non, mais genre, j'ai cliqué, je regarde. Ah, bah, j'ai déjà mon loot et. 7, 14, 36, 95. Mais oui, mais alors il faut savoir aussi que quand il y a des montures à loot, je fais toujours des rôles pourris. Bah, ouais. Donc si tu peux au moins avoir les autres trucs. Je m'hydrate, je pouvais pas m'hydrater, mais je vais m'hydrater maintenant, Ayana. Deux secondes. Je pouvais pas, j'avais pas le temps. Ah, tout ce que je vois, c'est que j'ai dû faire au moins 8 fois chaque étage, j'ai vu au moins 2 fois la musique et j'en ai aucune. C'est bon, je me suis hydratée. Des fois, elle est cruelle. Hein. Ok, je tag le suivant. Ah bah non, il y a Sadako qui doit débloquer, pardon. Pardon. Oui. Be my honey. Bah du coup, tu vas utiliser la musique, tu vas aller dans un coin où on peut écouter et puis tu vas la mettre. Oui, je vais aller à l'auberge. Comme ça, on pourra faire ça. Du coup, le prochain, il va être quand même assez rigolo. On ne dit rien. Ça inclut ce genre de choses, on ne dit rien, Ida. Faut pas qu'il puisse anticiper quoi que ce soit. Ça va, Lo? C'est un choix d'habit particulier. C'est un... Attends, écureuil. Je vais regarder vite fait Yoshi. Ah, c'est l'écureuil, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un écureuil volant comme Dumbo? C'est un éléphant avec une queue d'écureuil. C'est tout, y a rien de plus derrière. J'ai un gland autour du cou. C'est moche. Mais dis pas c'est moche. D'accord. Et quoi, je suis juste censée danser en fait, c'est ça? C'est pas ton goût. Oui, elle a raison. Je le porterai pas. C'est un choix vestimentaire particulièrement C'est où déjà l'orchestrion? Je le vois pas. Ah, il est là l'orchestrion. Alors, Red, be my honey. En tout cas, je suis étonnée que la tête de l'éléphant et la queue de l'écureuil, les couleurs, elles matchent si bien. Parce que des fois, les teintes, elles peuvent changer un petit peu. Genre, des fois, t'as le noir qui est un petit peu plus gris et tout. Attendez, je vais mettre ma tenue d'idole. Je suis agréablement surpris. Voilà. Bonjour.
La réaction de fou. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas là, je vois pas ce qui se passe. Je vais juste passer dans ma tenue de monk habituelle. Il a bah, les tatouages, le torse à poil. Très bien dessiné. Très joli bun boy. Rien à redire. J'aime bien le glow sur les gants. Un truc, c'est que ça... du coup, si je les sors, ça a pas vraiment quelque chose à voir. Mais... Oh, ça reste très classe parce que justement, la différence entre les deux, entre le côté très traditionnel et les armes qui sont très technologiques, j'aime beaucoup la dichotomie des deux. Le coucou à qui ? Le truc, c'est que les bonne nuit, les Yushi. Merci moine, d'être passé. Paranix, il chie clairement sur les gants de moine à chaque fois. C'était quoi les meilleurs gants de moine ? Ah, est-ce que tu sais c'est quoi les meilleurs ? Ah. J'ai rien dit depuis tout à l'heure, mais ta tenue est magnifique. Je l'adore, Mirzaki. La tenue du donjon 97. J'ai acheté la monture à 7 millions. Ouais, oui. Je l'ai acheté pour Yushi. Moi, j'ai acheté pour moi. Ouais, je disais, les meilleures armes de V2, c'est les nouveaux points de l'empereur sur le moine. Y a pas mieux. Ouais, les nouveaux points. Tu tiens pas avec tes points. Après, genre les points du dragon, je trouve qu'ils sont assez jolis. De niveau 80. Attends, mon moine, est-ce que j'ai toujours le même mirage? Est-ce que je peux casser le glam? Attendez, parce que moi j'ai un. Celle-là, voilà. Que celle-là que j'aime bien, moi. Ils sont sympas aussi. Ils sont trop. C'est trop m'as-tu vu, quoi. Tête de tigre. Ça dépend avec comment tu l'utilises. Vraiment, tous les glams ils peuvent aller bien entre eux, mais faut avoir un thème général, quoi. Ah! Bah, super, quand c'est pas les herbes qui sont cassées, c'est ça qui est cassé. Les points Magitech, je les trouve très sympas. T'as l'impression que ça fait des grosses griffes. Voilà. Ah, si tu veux du m'as-tu vu, je prends mon Reaper. Ça brille. Non mais le truc à qui c'est que ça le pire c'est qu'il est allumé hein. Il est allumé le truc. Couleur, hein. Genre j'ai littéralement mis la phrase dedans manuellement et ça fonctionne mais je sais pas pourquoi quand c'est la commande il veut pas. Ah j'ai chopé ça en pic tout à l'heure. Est-ce que à tout hasard Sadako aurait dit que c'était ok mais j'ai pas entendu. C'est PVP ça. Ah, celle du PVP, non. Celle très utilisée en ce moment, c'est celle à la rose, là. Noire et avec une rose, la fleur. Ouais, je les ai achetées aussi. Les croix du limier, ouais. Les chopées tout à l'heure aussi. Du coup, j'ai pas entendu Sadako. Il a dit que non. D'accord, merci. C'est... Alors, je vois pas bien, attends, hop là. Bonne nuit, Aki. First person. Attends, bouge pas, j'essaye de regarder mieux, là. On dirait presque... Ah, mais t'as une équerre, en fait. Ça passe toujours. Toi par contre il te manque de la peinture Eda. Moi j'attends que les gens ils sortent une chorégraphie pour cette chanson. Ouais, et on fait une vidéo, genre tous les gens qui jouent F14 là ils font une petite vidéo, une espèce de medley de type Husky, tu vois. Où tout le monde danse. Moi je mets ma meilleure tenue pyjama oreille de chat et tout là. Ça les pyjamas fluffy là. Parce que j'ai que ça, j'ai pas de cosplay. Il y a l'une des meilleures paires de gants qui est sortie, je trouve que c'est celle-là. Les paires de gants de... Il est beau mon Wild. Ouais, très sympa aussi. Tête de dragon là. Après, vous êtes condamné à écouter cette musique jusqu'au prochain raid. Je préfère mon game. Ça rend trop bien avec cette épée là. Du coup, faut que je prenne mon temps. L'épée du GNG. Ah, c'est comme tu veux. moi, je m'en fous. Je peux pas te dire le monture dans cette foutue. J'ai pas fait de. Et à des idérites après. Les gants que t'as là, ils sont stylés. Ouais. De quoi? Les gants que t'as là, ils sont stylés. Deuxième relique américain. Je passe à côté d'un AFL, je veux entendre celui tranquille. Tu veux qu'il y ait une chose aussi grosse que sa tête? Je pense que quand les sadiques vont sortir, les gens qui aimaient cette musique vont moins l'aimer. C'est Anton Berry. C'est le vrai mage noir.
Bon Dieu, c'est le fantôme. C'est le fantôme. C'est comment il s'appelle? Merde. Oh, le mec qui a fait Nier. Emile. Ah oui, c'est Emile. Oui, mais enfin, le mec a carrément. Je me demande, c'est qui chante d'ailleurs. Non, non, c'est Emile qui a bossé dessus. Ouais, bien sûr. Hein. Voilà, Yoko Taro, non, non, c'est Emile. Je me demande, c'est qui chante. Le meilleur bouclier, c'est Yoko Taro. Non, mais. Ah non, c'est pas ironique, t'imagines, c'est Yoko. C'est Soken qui chante Onibi. Alors, si c'est Soken, je vais m'inquiéter un peu quand même. Coucou Aksu! Il a un voice changer, t'inquiète. Oui. Il fait bien l'autobaton, non? Hello, il est bien mon bouclier. Il y en a juste pas. Il est très sympathique ton bouclier. On attend pour faire le troisième raid. On peut vraiment voir la beauté de l'habit sans que ça soit caché, ouais. Alors que tu as ton arme de haut. T'as quel bonbon là? Hein. Je peux tanker les dégâts. Avec mon poing. Oh là là, comme un héros de shonen. Oui, j'ai fait hier Aksu. Mais j'ai pas eu j'avais pas eu tous mes loot. On peut aller affronter le Bomberman. C'est bon ? OK. Ouais. C'est parti. Attends, tu vas il est tout seul. Là. Hein, quoi ? J'ai été en machiniste. Hein. T'aurais du mal à tag, j'étais 90. Non mais j'ai pas tag hein. J'ai pas essayé de tag hein, j'étais juste en train de me remettre en sage. Tout le monde me montrait leurs très beaux habits parce que j'avais fait des commentaires. Bah j'aime bien. Transformé en éléphant curieux, mais bon. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai fait un gros silence en te regardant. L'ABC total. Et puis après, je me suis dit, donner un compliment, je vais pas payer plus cher. Je me suis dit, je vais payer un compliment à tout le monde parce que franchement, vos glams ils sont on point. Ok. J'ai remis les cinématiques, hein. Oula, c'est un peu fort. Non, on attend Mali. Ouais, bah attendez, voilà. C'est tout. C'est pas la même ambiance, hein. Faut payer les droits à Capcom. C'est méchant de Kotonoken. Moi, je me disais, c'est Asura du jeu Asura. Mais tout le monde se l'est dit, je pense. Non, c'est Akuma de Street Fighter. Oui, Akuma, oui, pardon. C'est Akuma, ouais. Avec le slip de Zangief. Fait du C4, mais oui. Avec le slip de Zangief. Ah oui, important. Ouais, c'est marrant qu'il ait pas sa tête et qu'il ait juste le visage sur le corps. J'avoue. Ah, avec juste les cheveux à la place du cou, genre. C'est totalement fort. Comment on dirait un Street Fighter. Oui, oui. Je trouve ça dommage parce que vraiment. Alors attendez. C'est le moins puissant, le moins. Laissez-moi juste baisser un peu le son. Quelque chose. Il a pour son slip quoi. Voilà. C'est bon. Ça est ridicule, t'as un bonbon sur un. Je suis ok. Il a un sacré paquet quand même. Vraiment oui, au niveau de la ciné qui te fait le contre-plongeon. Le gros plan, oui, oui, non, t'étais là en mode... Alors, personnellement, hier, je suis morte une fois, et quand j'ai été res, j'avais la caméra qui était littéralement sur son cul. J'étais pas prête. Voilà, j'étais pas prête. J'avais son slip en zoom max sur l'écran. Ah ouais, quand même. Voilà, super. Alors, heureusement, c'était derrière et pas devant, mais... J'étais quand même pas prête. Je pense que dans le savage, je vais en avoir marre d'entendre le présentateur. Tu m'étonnes, oui. Surtout qu'en plus, ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'il y a une personne qui tombe ou qui meurt et tout, il fait un commentaire. Hein. Oui. Oui, selon les LB que tu utilises. Oui. Oui, oui, voilà. Mais non, mais c'est cool que ce soit, ça s'adapte à chaque fois, en fait, à chaque joueur. Et que ce soit pas un dialogue prédéfini, entre guillemets. J'aime beaucoup aussi le fait que quand personne se fait toucher, il le dit aussi. Genre une esquive magnifique ou quelque chose comme ça. Mon uptime. Oh là là, tu vas pas commencer
à me choper par le callback. Ah, il est pète couille pour les mêlées, lui, en vrai. Non, mais j'ai un combo distance, moi ça me pose pas problème, mais juste. Pas trop loin, quoi. Ah, j'étais en dehors, frérot. Non, moi je vous ai vu, vous étiez tous les deux dedans. Oui, moi aussi. Que j'ai pris shot, j'aurais pas à être de la neutralité si je voyais pas dedans. Vous battez pas, il en faut un minimum. Je faisais mon positionnal. Ouais, non, mais j'en ai vu plusieurs bouger dans un truc, donc. Vous avez tous vu ce que j'ai fait? Non, parce que moi j'étais en ralentissement. Je suis passé à contre-courant dans le truc entre deux trucs. Oh. T'es un saumon, quoi. Bah, je suis un caster, si tu peux gratter. Un saumon. Je vais garder mes dignités essentielles dans ma poche, quoi. Bah, c'est les tanks qui vont pleurer. Hein. Ah non, c'est pas les tanks qui en ont besoin. Je peux t'assurer. Hein. Non, mais ouais. Lui, la main, il est chargé. J'enlève la stance, c'est bon. Pas bon si je dors dans les AOE. Ah, regarde, c'est pas les tanks qu'on a besoin des dignités. Il y a un mensonge. Bonne nuit, Krish. Merci beaucoup d'être passé. Repose-toi bien. Ne faites pas ce qu'il fait, le monsieur là. C'est pas bien, faut pas faire ça. Red Bull donne des ailes. Faut pas boire de l'uranium, c'est très toxique. En blague. Perso, j'ai été un peu déçu que ce soit la bouche du haut et pas du milieu. Regardez cette vulgarité. Hein. Ça met des ta gueule dans l'arbitre. Hein, genre. Ouais, zéro respect. Hein. C'est pas très fair play tout ça. J'ai été étonné qu'il y ait beaucoup de gros mots dans le trail. Dans la traduction, oui. Française, oui. Ils aiment. Non, mais en règle générale, ils en ont beaucoup plus que d'habitude. En règle générale, ils aiment bien traduire certains termes ou expressions par des trucs assez un peu vulgaires dans notre langue à nous. Mais c'est parce que je pense que c'est compliqué de trouver des équivalents, je sais pas. Oui, après, j'ai été étonnée parce que dans ce précédent, il y en avait moins, mais c'était genre. Ça a de l'impact en fait, ils les utilisent pas genre juste pour être vulgaire. Moi je suis pas fan. Je suis pas fan quand ils mettent vraiment des trucs un peu trop vulgaires à mon goût, alors que en soi, en japonais, enfin. Je sais pas. Après, j'ai gardé goût. Hein. C'est moins J'ai l'impression qu'en japonais, les insultes les plus fortes, c'est juste être irrespectueux. Oui, c'est un peu plus subtil en fait les insultes en japonais. C'est pas bubble what you. Enfin, c'est moins direct, je pense surtout. Voilà. Vu que j'ai une tendance à jurer, ça me choque moins peut-être, c'est peut-être pour ça. Moi je préfère quand ils disent de poulpe, tu vois. Comme chouchou. Ouais, fils de poulpe, ça va. Je sais pas si t'as vu Boost Hill sur Star Rail, Manu. J'ai pas joué à Star Rail depuis un moment, du coup je pourrais pas dire. Fossoyeur. Ah non, pas du tout. Mais oui, j'ai cru comprendre que justement ces insultes, elles étaient un peu filtrées, ouais. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Je reste nounou. Ah, ok. J'attends la fin des combos de l'Aria et des bonbons pour appuyer sur. Oh merde. Ah, mais j'ai même pas eu le temps de mettre un soin sur. Ah bah super. Je pensais pas qu'il ferait deux fois ça en fait. Il le fait à chaque fois deux fois. Vu qu'il est dopé maintenant, ouais, il le fait tout le temps. Il triche. Ouais. En parlant de censure, il y en a qui ont joué Xenoblade 3. Du tout. Non.
Je reste Sadako. Oui, c'est pas truqué là. Dans Xenoblade 3, toutes les insultes sont remplacées par le mot brasier. Ah. Alors oui, mais dans l'univers c'est cohérent par rapport au lore, donc ça va genre. Au moins ils expliquent le truc, c'est pas genre juste on est censuré. Je me mets pas dedans. Quoi? Mais attends, mais le saut ici il fonctionne pas en fait. Si, il marche. Je l'ai fait, ça fait deux fois et... Ah, tu l'as mis trois fois. Bah non, justement, ça fait deux fois que j'attends la fin du cast et ça fonctionne pas. Et marche, puisque je t'ai vu arriver et que moi j'ai pas bougé. Bah oui, mais je l'ai quand même activé pas trop tard. Et je suis poussé quand même, donc... Je peux pas, j'ai plus rien de ressort. Très belle LB3 healer. Tu bois Mali, je suis lock. À l'aide. Bah ouais, mais... Non. Je veux bien bourrer, mais quand j'ai pas mes soins instant de pop, c'est... Ah, tu casses. Mais je sais, mais du coup, faut le temps que je casse, quoi. C'est juste ça, le truc. Alors, c'est quoi le prochain? C'est bon, allez, on peut y réussir, non, on peut pas. T'inquiète. Merci bien, vraiment, j'essaie. Le trisect, hop, c'est bon, ça met la boîte. Là, hop là, et hop là pour vous faciliter un peu la vie. J'ai mis Sigmund Spring, ah, quoi, bah, super. Là, je dors, hein. Le trisect travaille tout seul. Et... Par contre, il fait un peu tout le temps la même chose, hein. Bah, parce que là, on est sur la répétition de mecha, en vrai. Ah, mais... Oui, c'est ça. Bon, après, je pense qu'on s'a dit que ce sera pas la même. Oui, bah non, clairement. La musique est stylée quand même. Sont déchaînés sur les guitares et tout. Vraiment pour les musiques de chaque boss, elles vont bien avec le boss en fait. Ouais. Bon. Je trouve que Onivis ça va pas avec le deuxième boss, mais après. Ah mais c'est qu'en fait ça tombe pas à la fin du cast. Non mais même là. Putain, bah Dieu. Non, j'étais au milieu. Ouais, c'est qu'en fait, moi je pensais que les bonbons ils tombaient à la fin du cast. Sauf que pas du tout. Non, il met du temps à tomber. Bah oui, donc c'est pour ça que je me suis fait avoir tout à l'heure. Mais là, je l'ai mis beaucoup plus à la fin que tout à l'heure, mais c'est quand même pas passé. Pardon ? J'étais full vie. Ah, t'étais full vie, mais on était 4 en fait. Vous avez survécu, pas moi. Bah oui, parce que il paraît que moi je me mythique tout seul en fait, je veux pas mourir, je dois bouillir. Et j'étais bien pour Adon aussi. Oui. Moi j'ai survécu, hein. Moi j'étais déjà morte, du coup j'ai pas pris de dégâts. Madame. Certes, j'ai survécu à 2000 HP, mais j'ai survécu. Maintenant, il est... PNJ carton peuvent dégager de l'arène. Vous trouvez pas que l'arène elle ressemble un petit peu au Rednir Si. Genre, je me demande s'ils ont pas recyclé un peu une zone en mode. Ouais. Bah, en vrai, c'est pas déconnant. Hein. C'est les mêmes assets, ils vont pas se faire chier, ils vont les prendre, ils vont construire un nouveau truc et. M3 de manière. De travailler de moins. Oui. M3, le boss est moche, il est chiant et son arène est nulle. Voilà.
Il y a rien pour lui. Non, vraiment, vraiment c'est le pire. Hein, genre, c'est... De toute façon, ils ont voulu faire un mec relou, donc ils ont été à fond. 90 sur le deuxième, pardon. Hmm. Ça a pas de sens. Le seul aussi. Oui, bah de toute façon, c'est le thème. Ça va dans le thème, hein, tant que ça colle au thème. Ouais. Enfin, je veux dire, y a pas 36 000 façons de faire un sol rouillé en métal, de toute façon. Ok. Tu mets un peu de tétanos dessus, et puis voilà. Comment tu peux devenir si fort sans utiliser de régulateur? Bah, combat la fin du monde, elle fera pour oh la vache. On choisit un meilleur élémentaire, aussi, hein. Parce qu'avoir un élémentaire dans le torse, c'est pas fou, hein. Ce serait bien qu'ils puissent faire un truc que quand on est sur un autre data center, à défaut de pouvoir utiliser la sonnette, qu'on puisse peut-être au moins l'utiliser quand on est dans l'auberge. Parce que l'auberge, c'est censé être une instance un peu à part, je crois. Du coup, je sais pas si ce serait faisable, ça. Que au moins dans l'auberge, on puisse s'en servir. Non ? Ça intéresse personne ? Non, mais en fait, ça semble cool, mais en fait, vu que dans tous les cas, même si, comme tu dis, c'est une instance, malgré tout, il y a certaines instances qui sont vues comme étant dans un monde. Oui, bah oui, cas, je sais bien. Dès l'instant où t'es dans un monde, voilà, mais c'est vrai la... que ce serait mille fois plus pratique. Oui, genre que ce soit toi dans ta maison ou dans tes. Enfin, dans ta maison, je suis con, dans tous les cas, tu Oui, bah oui. C'est pas la question du monde, en fait, c'est que là, en fait, il faut faire te lock toute la sonnette parce que c'est plus facile à coder de locker tout un truc entier plutôt que de locker par servant, mettre en vente un objet. Donc, vu qu'ils veulent pas que tu vendes sur les autres serveurs, bah ils te lockent toute la sonnette. Comme ça, oui, facile. C'est Et vrai. En plus de ça. Ils veulent pas faire ça parce qu'ils veulent pas que tu vides le tableau des autres trucs quand il y a des trucs pas chers et que tu les foutes dans tes servants. Ah. Ça t'oblige à retourner chez toi à chaque fois. J'avais pas pensé à ça. C'est vrai que dans ce cas-là, je comprends. C'est juste pour l'économie en fait. Mais oui, c'est chiant quand tu veux pas t'en servir de ce point de vue-là. Ah bah si jamais la sortie pour mercredi prochain est déjà up, voilà. Après, un truc qu'ils pourraient faire, ce serait... Ton coffre de sel, tu peux l'utiliser ou pas quand t'es en intermonde, je crois pas. Hein. Je pense pas. Non, tu peux pas. Ça, il pourrait te le laisser par contre. Après, vu que ta CL, tu l'as créée sur un monde bien spécifique, moi je trouve ça logique. Mais c'est vrai que, au niveau de la praticité, c'est pas toujours très pratique. Vous avez tous récupéré vos drops FF14 du coup ? Moi, ouais. Pour la monture oui. du live. Oui. Oui, mais ça, je l'avais terminé avec toi, je crois. Ou chez Yushi. Faudrait que je le mette sur un autre perso. J'ai déjà la monture. Coucou Shita. J'ai un pote qui a acheté des chocolats en Floride et qui m'a envoyé. T'es pas obligé non plus d'écrire mon pseudo en majuscule, mais bonjour. Ça va et toi? T'as retenu le truc que j'ai dit à Louis hier, c'est ça? Et sinon, ils peuvent juste ping, hein, il suffit de mettre un @ devant ton pseudo. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que la petite Lou, elle arrive et la première chose qu'elle dit, c'est « Ah bah, t'es encore en retard !» Et du coup, je me suis dit « Bah, en fait, oui, je suis en retard, mais c'est mon stream, mais j'aimerais bien plutôt que tu me dises plutôt genre « Bonjour Mali, comment vas-tu » plutôt que « T'es en retard !» Ça va, j'ai pas rendez-vous non plus. Non, parce que techniquement, je dis le stream il commence à 21h, mais je mets l'écran de début de stream avant 21h. Mais techniquement, je pourrais mettre l'écran de début de stream à 21h et l'ouvrir quand j'ai envie. Ouais. Oh, tu fais un vieux troll, tu mets ton écran de truc et tu vas te coucher. Bonne nuit, les gars. Les gens, 3h plus tard, de stream, mais elle arrive quand le truc devant. Le lendemain matin, genre. En fait, le truc, c'est que pendant mon écran de chargement, c'est pas juste pour faire attendre les gens, c'est parce que je fais des trucs en attendant. Genre, je prépare mon tweet, je finis mes réglages, je vérifie que tout fonctionne bien, même si ça fonctionne pas bien quand même, malgré que j'ai vérifié. Je fais plein de trucs, moi, pendant mon écran de chargement. Et aussi, ça laisse aussi le temps aux annonces d'apparaître et aux gens de voir les annonces. Est-ce que c'est agréable de bosser sans être en contact avec les gens? Ouais. Moi, j'aime pas trop les gens non plus, du coup, c'est pour ça que je vais me mettre à mon compte. J'aurais pas besoin de me coltiner des collègues et des supérieurs dans tous les sens.
putain, je suis content, à partir de lundi, je retourne en télétravail. Tout le monde y aime le télétravail. C'est pour mon cas. Le télétravail, c'est la magie. Bah, après, le truc, c'est que... C'est limite aussi, hein. Ça dépend des... En fait, ça va... de toute façon, ça va dépendre de beaucoup de choses et de... pour beaucoup de personnes. Mais moi, je sais qu'en termes de concentration, j'ai beaucoup de mal à me concentrer quand je suis au bureau. Parce que entre les bruits à côté, que ce soit imprimante, le ménage, genre l'aspirateur, des fois, il y a des gens... Enfin, des fois, il y a des femmes de ménage qui passent l'aspirateur pendant qu'on travaille. Les téléphones des collègues, les collègues qui papotent, les gens qui passent devant ton bureau qui s'arrêtent pour, faire... pour dire bonjour. En soi, je suis pas contre, en fait. C'est juste que... Tout ça, ça arrive tout le temps, ouais, n'importe quand, et j'ai l'impression de ne pas avancer. Et quand je suis chez moi, bah au moins, voilà, je suis dans ma pièce, je m'organise, je peux faire un dossier de A à Z sans être embêté, en fait. Du coup, vraiment, le présentiel, pour moi, le présentiel, c'est purement social, hein. Pour moi, ça... C'est tout, hein. Pour moi, c'est que à ça que ça sert, hein. Parce que clairement, si c'est pour être productif, je suis clairement plus productive chez moi. Ok, c'est bon le dernier là, vous êtes prêts? Moi je veux garder mon statut jusqu'à la retraite, j'ai droit. Parce que j'ai pas besoin d'être productif, on me paye et je reste chez moi. Mais quand j'ai dit des gens, je parle des patients de la pharmacie, mes collègues sont cool. Ah oui, non mais oui, pas de soucis, pas de soucis. Moi je parlais des gens en général. Collègue ou pas collègue. Ah, on attend Alvis. Oui, parce que je dois faire une partie de triple triade. Pas de soucis, pas de soucis. Bah sinon, si t'étais en partie, t'étais pas pris. Ça joue à la crapette, quoi. Ça joue à la crapette. Oh là là. Du coup, n'oubliez pas pour les points de chaîne pour votre stuff crafté, hein, n'hésitez pas à passer commande dès maintenant. Voilà. Ça me permettra aussi de prévoir la récolte que je devrais faire. J'ai mis la première quand même. Tout ça. Ah, mais c'est la meilleure celle-là, je trouve quand même. De toute façon, ça va être celle de la monture celle-là donc. Ouais, tant mieux. C'est celle alors... de la monture celle-là, comment ça tu la montes? T'imagines, tu la montes elle? Ah bah super. Ah, on monte bien Ramu, hein. Bah, c'est l'idée, c'est vrai, hein. Mais Ramu, il a plus une gueule de cheval. C'est vraiment un centaure. Tu te dis t'as la place, là. Tu te mets quoi sur ses fesses? Bah oui. Tu te mets la bah, tu veux te mettre où fait. ouais, voilà. Sur sa corne. Oh là, la fêle, franchement, t'es à quatre pattes et tu te tiens à la corne, hein. Genre, 100%. Après, tu te tires dans la main. Tu vois les montures où tu t'attaches à quelque chose, tu t'attaches au pas du pied. Ou alors, assis sur une de ses mains, genre, elle te porte sur une de ses mains. Ou genre celle de l'électrope, là, à la place du cube. Ouais, à la place du cube, y'a toi, en fait. Ouais, un cube électrique, peut-être, la monture. Elle me rappelle Ixion. Bah, c'est normal. Littéralement, il rappelle Ixion. Elle se synchronise avec un Ixion. Voilà. Elle se transforme avec un mission. On a fait des choses pas très nettes avec. Le prix de Tesseract. Le patron est un peu spécial, il a toujours l'air de mauvaise humeur, les filles sont adorables pour le moment. Ah, ah. Il est peut-être tout le temps de mauvaise humeur. C'est marrant, c'est que... Ouvrez votre map. Non mais Eda, y a pas de j'y arrive pas, ils viennent de sortir, c'est pas grave de pas faire un truc parfait. Ah non, mais hein. Oui, mais... Oui. Te prends pas la tête, hein. La musique joue trop bien. La musique est stylée aussi. Hein. J'aime bien sa voix en japonais aussi. La musique est en vrai. En français, elle est cool. Oui, il part. J'ai mis une régène. Bah oui, mais moi, oui, j'ai l'habitude de... Mais je la vois pas ton étoile, il y a trop de trucs là qui brillent partout. Je la mets 4 secondes avant le pool. Oui, mais j'ai l'habitude de heal toute seule en fait. Du coup, je peux pas changer mes mais habitudes c'est une mauvaise comme habitude, ça. Okay. Bah désolé si à chaque fois que je joue avec un heal PU, il soigne pas. C'est pas grave, mets-toi en prévention et gère l'urgence. Tu verras, c'est beaucoup mieux en fait. Les 3 quarts du temps, quand le deuxième heal c'est en PU, il soigne pas. Oui, mais laisse-les pas healer et heal dans l'urgence, c'est mieux. Y a une plus bah, de j'ai pas envie de rester tout le monde parce que le problème c'est que quand il heal pas, il reste pas non plus.
Donc je fais ce que je peux. Du coup, ouais, j'essaye de remonter tout le monde, désolé. Là, je vais faire un truc. Tu devrais jouer Astro, ça te guérirait de cette maladie de vouloir remonter l'étoile tout le qui monde. Pète, voilà, sortez de là, hein, c'est ce que je voulais pas. Sortez de là, c'est ce que je voulais pas. Ah bah, allez, il a pas voulu sortir, bah, ça d'accord. Lui, il était au bon endroit, il a dans le vide, hein. Faut pas suivre le boss dans le vide. Oh, mercredi. suivez la majorité, hein. Sinon vous allez avoir un problème. Ah, mais je reste qui? Je reste Sadako. Ok, je reste. Non, c'est bon. Je reste la dernière personne à reste et j'ai pas tout vu donc je vais probablement mourir. Ah, bah voilà, ouais, je vais. Ah voilà, j'avais prévenu. J'ai reste, du coup j'ai pas tout regardé. Hop. Je vais faire ça, ça. On va mettre Macrocos. T'es au troisième donjon. Tu m'as pris pour qui? Je sais plus, bah, c'est quel le troisième donjon. Des gens morts. J'étais même courant dans mon mec. Hein. Mec, je me suis exaltation, je me suis mis les deux cartes de def et quand j'ai fait péter l'étoile, je suis mort. T'aurais dû faire péter le macrocosme avant. Non, mais t'es pété le macrocosme déjà. Le macro, je l'ai mis bien avant. Il était en cooldown. Je sais pas, je t'ai entendu dire je vais mettre le macrocosme. Non, non. Je voulais faire péter l'étoile. Le macro, je l'ai mis avant. Non, mais je me souviens plus à quoi il ressemble, surtout Shiita. Je les ai pas fait beaucoup de base. Moi aussi. Des potes de grade inférieur là, what the fuck. Je savais que t'étais alcoolique. J'ai fait péter early, comme ça j'ai pas le temps de mettre ta réserve. Voilà. Y'a moyen que la monture ce soit un cube électrique en vrai. Oh, c'est putain. Nul. L'enfer, ouais, quoi. Un Osma, mais bah, noir. Bah écoute. J'avoue, ce serait une vieille monture PVP nulle. Après, je préfère peut-être un cube qu'un axolot après. Dire ça peut pas être un Ixion parce que ça existe déjà. Bah c'est ça, c'est que s'ils sortent elle en monture, les gens ils vont râler en fait. Oh non, il y a forcément des gens, il y a forcément des gens qui vont râler en mode oui mais ça ressemble au Ixion des Eden, gnu gnu gnu. Alors non, justement, si c'est elle, les gens vont être contents parce que ça sera leur seule occasion de monter une meuf de leur vie. Il y aura forcément des gens qui vont râler. Il y aura obligatoirement des gens qui vont râler. Il y a toujours des gens qui râlent toujours pour tout, de toute façon. Pour aller. Après avoir sorti un axolot, toutes les montures sont bien. Hein. Il n'y a pas de. Vraiment. Hein. Ah, le axolot en soi, il est mignon. Mais moi, si tu te vois, je suis deck parce que justement, j'aurais bien voulu que ce soit une monture qu'on récupère autrement qu'en Sadik. Moi, je connais quelqu'un qui va. Ah, non, c'est bon. Non, oui, non, mais j'ai. Ah, tout le monde est bon là. J'ai pas fini ma phrase parce qu'après j'ai vu que c'était toi. Donc ça va, hein, t'inquiète. Oui, oui, mais justement, j'ai vu que c'était toi à la fin. J'ai dit, ah non, c'est bon. J'ai déjà pas suivi ma rota sur le fight. Et d'un autre côté, on bouge. On bouge. Derrière. Devant. Intérieur. On traverse, on attend deux fois et on retraverse. Deux tics. Et on bouge. C'était le mauvais côté, mais. Oh mon dieu! Ouais. Ah! J'ai mis macro, excuse. Ok, ok. Prends ça. La musique est classe. Ah bah. Là, j'ai ah là je l'ai mis, j'ai pas cherché. Oui non mais c'est juste que vu qu'il y a personne qui est descendu. Bah, j'avais aussi mis mon Panaima du coup. Ah bah là oui c'est. Je me suis dit il y a plusieurs stacks, bah Panaima quoi. Je veux la musique par contre. Hein. Je veux tellement la musique.
petit 95. Après 95, je peux ne pas l'avoir. Hein. C'est vrai. Moi, je connais quelqu'un avec des grandes oreilles qui n'est pas ici. Hein. Qui n'arrivait pas à avoir une des mascottes de Nia. Et un jour, il a fait 98, il était trop heureux, il était en train de crier de joie et bah, il l'a pas eu. Classique. Et du coup, quand je l'ai eu après, j'ai fait un screen avec un petit montage et je l'ai envoyé. Il fait chier. Voilà. Parti en dépression. Parce que je l'ai eu avec un 97 surtout. Du coup, ouais, je l'ai chier. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il me parle plus maintenant. Il me déteste. Bon, les mêlés, je vous aime bien, mais là, je suis pas emmerdé à vous poser. Je suis triste. Je pense que tu devrais un but sur ça. Non, mais t'inquiète, Chita, je vais regarder, mais ouais, je me souviens plus trop. Parce que je les ai fait qu'une fois ou deux max. Super, ça m'a désectionné le boss. Ça m'arrive tout le temps, cette extension en chemin, ils ont dû modifier un truc dans le ciblage parce que c'est beaucoup plus sensible qu'avant le déciblage. Ah, je fais un sort dans le vide. Le ralentissement. Oh, genre, je perds ma couteau. On traversera, on attendra deux fois et on retraversera. Ouais, en 2-1, ouais, c'est ça. Ne bouge pas, l'eau. Ne bouge pas. Ok, merci. Je. Bouge. Perez. Les effets, c'est horrible. Merci, Mali. Ah, j'ai essayé de soigner, mais il était trop loin. Désolé. Ok. Faire péter un truc indécent. Ouais, c'est vrai. Ça avait pété une seconde avant. Ah oui, c'est vrai. Sur votre droite, n'oubliez pas de regarder. Oh, j'avais un pied dedans. Vraiment à la limite. Hein. Ah oui, ça démolit. Elle est bien la meuf. Ouais, non, les bon, là, je vais toucher. Je peux raiser Da. Surtout que j'ai comme ce qu'ils appellent un 2 minutes qui arrive. Ouais, ouais, il est parti, mais ouais. Bah là où je suis normalement c'est bon. Oh bah si, je me suis pris. Ah. C'est quoi ça déjà? C'est le faucheur. Ah, c'est le faucheur. Ah ouch. LB Mali, LB, LB, LB. LB? Ouais, LB. Ah bah oui, là oui. Ah j'avais pas vu que t'étais mort. T'as besoin de moi là. Ah c'est beau, couleur or. Ouais, couleur, s'il y avait une mécanique, on était mort aussi, mais. Tout était calculé. Ça va, je peux tellement rarement la faire, ma LB sage. Chaque fois, c'est les heals ou les mages blancs ou les astros qui la font. Hein. Moi aussi, elle est jolie, ma LB, ok. Ouais, je suis dans le terrain. C'est comme les mages rouges. Ouais, elle est moins pire que les mages rouges quand même. Je non. Sais, j'ai déjà tué tout un raid des loups broom avec ma LB mage rouge, donc. Oh bon dieu, mais. J'ai wipe un Telubroom sur avec ma LB mage rouge. J'ai pas fait exprès pour ma défense. C'était la première fois que je le faisais, je ne savais pas qu'il y avait un quadrillage après. Moi je vais prendre ta rouge, j'ai eu un CD, je prends une nez. Stonks. Non, tu vas rien prendre. Merci. Reviens là, toi, putain, mon uptime. Je regarde mes CD maintenant. Oui.
mourrez pas là, s'il vous plaît. J'essaye. Je suis sûr, il y a des machinistes, ils vont réclamer le même genre de canon, tu sais. Mais nous, on veut ça, nous. Déjà, le gros canon dans le niveau 100, quand même. Nous, nous, on veut tirer devant derrière aussi. Paquez bien en un point et faites des gauche-droite après. Ça va être chance. Des gauche-droite. Après, vous direz. Mettez-vous tous à gauche. Mettez-vous tous à gauche. J'ai encore. Le macro les drop. Ok. Tu me dis ça. Bah tu m'as l'a dit au moment où j'ai cliqué sur mon holos. Mais ça dure longtemps en fait. Oui. Mais juste une régène. J'ai le droit de mettre une régène ou pas? Est-ce que j'ai le droit de jouer par réflexe ou pas? Je mets juste une bulle, ok? En live speed, je vais dire c'est quoi. Et nettoie là. Je vais péter dans 3 secondes. Ouais, elle est pas contente là, madame. Là, ça commence à taper un peu fort là. Oui. Ah. Ouais. Chichi. Oh, la musique. Ah mais j'ai pas vu, elle a ses petites oreilles mais on les voit pas trop. Wicked to Sanda. En japonais. Wicked to Sanda. C'est ça. Wicked the Thunder. Je crois en français qu'il dit. C'est comme Fancred. Sancredo. Sancredo. Alors. Un petit 96 sur la musique. Alors, je vous rassure, j'ai fait 1 sur la musique. Voilà. GG Alvis. Vous pourrez pas dire que je fais. Vous pourrez pas dire que je fais des loot, des rolls pétés. J'ai fait 1. Voilà. Ouais, j'ai fait un 95. Alors, désolé, mais c'est pété. Mais pas là, c'est même pas pété. Là, c'est explosé. Là, là c'est éclaté voilà. Au sol. Là. Voilà. Ben voilà. Ben en gros, moi, c'est ça. Je vais faire un. Il y a une journée, peut-être, je vais faire 2-3 bons rolls. Et après, pendant 6 mois, je fais des rolls de merde. Ah ouais, quand même. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. J'aimerais bien que ça change pour Dontré, quoi. Bon, j'arrive, je vous rejoins, Gridania. Ouais, enfin, après, vous allez partir, je pense. Oui, bon, bah, merci pour les raids. Merci pour les raids, c'était très marrant de les refaire. Et du coup, bah, pour ceux qui veulent, sorti tous les mercredis pour faire les raids ensemble, tout ça. Elle est déjà disponible, c'est merveilleux. Go, moi, une experte. Voilà. Avant d'aller de dos. Bon, moi je vous laisse là. C'est l'avant-garde le donjon. Bonne soirée. Bonne soirée, merci d'être venu. Mali. Oui. Mali. Oui. C'est dans Camille la sortie. Oui. D'accord. Ah. Il y a un truc qui s'appelle activité et il y a les sorties dedans. Le donjon dont t'as parlé, Chita, c'est le Cénote. C'est le 95. Non, mais je vais regarder, vous inquiétez pas. La musique est extraordinaire. C'est juste, je me souviens plus à quoi il ressemble visuellement. Bah, la musique. Ah oui, la ok. 95, c'est Lost in the Jeep, le nom. Ça tente quelqu'un, une experte? Vite fait. Déjà, bah, je vais faire. Vous l'êtes experte? Oui. Moi, je voudrais essayer de trouver comment craft mon stuff, surtout. Ah, faudra je continue à faire de l'extrême 2 aussi. Je vais vous laisser. On peut aller en faire bonne après. Soirée. Hein. Vous avez 8h, hein. Ce soir, je sais pas, parce qu'après je vais jouer à LOL. Ah là là. Heures, ouais, j'ai une idée. Je hein. Pense que ça sera là dans pas longtemps, maximum à 2h du match, je suis couché. Hein. J'ai une solution pour toi, mais tu vas pas aimer. Tu joues pas à LOL. Voilà. Bonne solution. Moi, je pense que c'est bien. Hein.
Oh, au pire, on en fait demain ou après-demain. Déjà, faudra emmener Pain de Mie faire son premier raid. Attends, d'ailleurs, chez qui est Ko là, je vais lui demander. Moi, j'ai pas fait le deuxième défi extrême encore. Si tu veux, on pourra le faire aussi. J'essaierai de penser à aller regarder un petit truc. Ah, par contre, si on n'est pas 4, on reste pas là, hein. Genre, on dégage. Bah oui. Si on n'est pas 4 pour l'expert, je chaque pas ici, hein. Genre. Oui. Bon, moi, je vais couper mon stream parce que. Je voudrais vraiment ne pas me coucher trop tard. On est 3. Je vous laisse, merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors. Oui, je sais, Hayana, mais c'est parce qu'en fait, demain à 8h30, je dois emmener Rina chez le vétérinaire. Et du coup, ça a piqué les yeux un peu, tu vois. Ça a piqué un peu fort, tu vois. Regardez, il y a une nouvelle scène de Just Chatting. Parce qu'elle est pas magnifique. Voilà. Elle a intérêt vu le prix que j'ai payé. Mais ouais, j'aime bien, c'est joli. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je sais que ça fait encore un stream un petit peu court. Mais bon, bah, comme je vous dis, malheureusement, demain, je dois me lever. Donc, je vais pas trop traîner. Sachant qu'il est quand même déjà 23h25, en vrai. Et puis, on se retrouve... Attendez, il est où le calendrier? Il est là. On se retrouve vendredi. On va faire, un petit peu de dessin. Ah, c'est pas le bon calendrier, attendez. Attendez, c'est pas le bon. Il est où le bon? Il est là. Voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Donc, on va faire un petit peu de dessin, puis du Weathering Wave. Ah, d'ailleurs, ce sera peut-être même pas du dessin. Peut-être que je vais faire du craft. Et le soir, il y aura du Stardew Valley. Donc, demain, c'est off. Demain, c'est off. Mais du tout, elle est pas là demain. C'est la journée de repos. Même si je vais pas forcément me reposer, comme d'habitude. Parce que j'ai des trucs à faire. Voilà. En tout cas, merci à tous d'être venus. Merci pour les lurkers aussi. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous hydrater. Tout ça. Des bisous. Et voilà. Du coup, à vendredi, au revoir. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi si vous voulez papoter, tout ça. Voilà, au revoir.